Merci comme d'habitude pour votre soutien, pour votre présence. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Je vous préviens, ça, à mon avis, ça va être le bordel. Étoile est en forme, je suis en forme, Rivendi est en forme, Antoine, on va voir. Mais je pense que ça va être un peu n'importe quoi, voilà. Donc installez-vous, profitez, et ça va être absolument nimp, quoi. Ça s'annonce historique, oui, ça s'annonce nimp en fait. Voilà, profitez un maximum, voilà. Je vais la donner à tout prêt à tout, mais dès qu'on leur pose des sujets compliqués, ouais, bah, j'ai mon avis et je le garderai pour moi. Par contre, pourquoi il n'y a pas Ultia? Je suis en cours de créa là. Parce qu'on l'a dit, mec. Je viens d'expliquer pourquoi. Oh non. Putain, on va plus pouvoir être sexiste tranquille, ça dit. Parce que j'ai un connard. Je veux dire des saloperies. Je tiens à dire que. Quand on a dit rendez-vous à 20h30, Ultia a fait on avait dit 20h. Résultat, il est 20h36, elle est pas là quoi. C'est réel. Mais en fait, en gros, il faut savoir que Ultia, quand on lui donne un horaire, il faut toujours y rajouter 10 minutes ou 15 minutes supplémentaires. J'ai dit, c'est juste un scandale en fait. Je suis bien d'accord avec vous. Surtout qu'en plus, je dois discuter déco avec Ultia là. La nouvelle extension d'anime, elle est bien? Bah, j'ai passé un moment exceptionnel. J'ai mis en place tout mon processus. Sur Schumpeter et la main invisible, c'est parti quoi. Non, pas vraiment, ouais. J'ai mis en place, en fait, j'ai vraiment mis en place tout mon esprit créatif. Ouais. Et c'était exceptionnel. Ok, bro. Tout mon chat a passé un excellent moment et on était vraiment heureux. La room est créée, si vous voulez. La run est créée. Okay. Oh, ça se voit que c'est un speedrunner celui-là. Putain. Merde, j'ai mis rejoindre Rive au lieu de rejoindre. Je sais pas si ça va marcher. Ah si peut-être. Je suis pas dans une room. Non, l'erreur. Toi t'es pas du tout avec Ponce en fait. Pas du tout. Ah, d'accord, ok, tu joues de ton côté. Fais ta game de son côté, Rivendi. Rien lancé. Au pire, joue de ton côté et puis on se tient au courant, Rive, tu vois, on se dit. Même le stream n'est pas lancé dans ces fonds. Le droit n'est pas lancé, alors attention, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. Ah, ok. Le stream est lancé, c'est la Switch qui ne l'a pas été. That was a joke, man, bien sûr. Ouais, c'est jaded. Je suis une streameuse de type blague. Oh, ok, je vois. Oui, oui. Angle drôle. Blague. Angle drôle. Oh. Angle drôle, t'as compris. Oui, j'ai compris, oui. Je sens qu'il est délétère déjà. C'est ça. Oh, mais regardez. Angle droit, je joue à Mario Party Superstars. Ah, elle s'est trompée, on a dit Mario Kart, Florence. Florence, what the fuck. C'est une illusion, j'ai pas du tout d'autres potes avec qui jouer. Ce n'est qu'une illusion, une contrefaçon, comme dirait l'ami. C'est contre bizarre. Je vais rester en vocal avec vous, et je vais jouer à Mario Party avec mes vrais potes. Ah yes. Ok. C'est qui tes vrais potes, du coup? Allez. On enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Ton mythe ressemble pas, Étoile. Bah non, parce qu'en fait, alors en gros, j'ai fait un concept un peu original, parce que je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa de renouveler. En fait, c'est Rock Lee de Naruto, mais drogué avec les yeux rouges, et du coup, c'est Rock Lee. Regardez Naruto, c'est qui ce personnage? En fait, c'est un personnage dans le village de Konoha, qui a pour particularité d'être avec des pois, tu vois. Ok. Mais genre pas les petits pois, pas les trucs que tu mets avec les carottes, non, les pois, les choux de l'eau, à soulever quoi. Et voilà, et du coup, il se balade comme ça avec ça, et vu que je suis un peu, moi je vis avec des pois, depuis maintenant environ 7 ans. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être assez sympa d'avoir ce mid-là, mais drogué. Parce que j'adore le chichon. T'adores le chichon? Le shit très très haut en THC, par exemple? Ouais, un peu de THC, tu vois. Et du coup, on dirait ça, le flic qui veut essayer de gauler des gens. J'adore le chichon. Je vous ai vu avec votre chichon. Dealer. Vous n'auriez pas des amis dealers de drogue, par exemple? Qui vendent, par exemple, du chichon. Entre autres. Drogue. Allo, Ultia. La drogue. Salut Ultia. Ça va Ultia? Ultia, on avait dit 20h30. Ultia, vous avez dit 20h30 alors que c'était 20h et que ça fait 3 semaines que c'est 20h et je me suis... J'ai pris l'initiative de faire une sieste parce que je me suis dit que je tiendrais jamais et du coup je viens seulement de me réveiller. Voilà. J'espère que vous êtes fiers. C'était pas 20h les fois d'avant, c'est fake news. Je suis d'accord, c'était jamais été 20h, hein, toujours été 20h30. Ouais. Mais dans la conf, c'était marqué 20h, faut lire. Cette fois-ci, c'était 20h, mais déjà, c'était 20h. Il sait pas lire, Antoine. Antoine, il faut que quelqu'un le lise. Et là, c'était dernière minute, c'est chaud. Pour rien que je regarde jamais mon chat, c'est que je ne comprends pas. Non, mais t'inquiète. Tu dises, en fait.
C'est pour ça que je regarde pas mon chat, je sais pas. Mais vous inquiétez pas, ils m'ont dit que vous crachiez votre venin. Non, c'est faux par contre. Oh. Ouais, non. Les hommes peut-être, mais moi je disais pas. Non mais les hommes. Non mais oh. Ça va. Oh. Principalement, je veux pas me dédouaner, mais principalement, c'est en idée quand même. Principalement, Antoine. Non, j'ai un peu de problème. On va sortir, hein. Femmes, les nanas, là. Déjà, on joue avec vous, ok? Putain! Les gens vous adressent la parole! Alors soyez bien contents! C'est bon quoi! On est assez déconstruits pour vous adresser la parole! Mais donc c'est bon! Ça commence à nous gaver tout ça! C'est bon! Wow. Il a raison! Bon allez, lance là! On attend qui là? Bah, Ultia là! Oui. Oh oui, Brégal! C'est bon! Hein. Oh, putain, ah, vous m'attendez, c'est ça? Ah, vous êtes parmi les hommes les plus sympathiques qu'on a jamais rencontrés. Merci de l'avouer, merci, putain. J'ai la gueule de l'avouer, merci. Quoi. Merci de le dire. Hashtag not all men, merci beaucoup. Hashtag not all men. Putain, okay, ça a gonflé ça. Hein. Kenavo. Voilà, merci. Kenavo. Kenavo. Sachez que j'ai fact-checké la dernière fois qu'on y a joué, c'était le vendredi 8 à 20h30. Voilà, je tiens oui, à mais dire. Je suis pas d'accord avec vous, le fact checker. Non, je me suis réveillé il y a quelques minutes, alors je pouvais pas venir plus tôt. C'est pour ça que j'ai demandé habilement de décaler à 20h30. Je savais que je pouvais saisir l'opportunité d'un Rivenzi, par exemple, qui serait très content d'arriver un peu plus tard. Exactement, par exemple. Tout à fait. Exactement. Il a saisi sa chance, effectivement. Je regardais la rediff de Danse avec les stars, j'avais pas le temps de tout faire. Ok, tu vois, je comprends, c'est important. Bien sûr. Bah voilà. Bien sûr. Et du coup, c'était bien? Super, je me suis régalé, super prestation. Jean-Paul Gaultier, on sait toujours pas ce qu'il fout là, Michou est exceptionnel, ça nous régale quoi. On se régale devant Danse avec les stars. Qui c'est qui est sorti du coup là cette semaine? Eh ben j'ai pas encore vu, il me manquait juste le moment du conseil. Mais je préférais être à l'heure à 20h30 avec vous. Ouais, pas du tout, ça parle de Danse avec les stars. Mais Koh-Lanta aussi, j'ai regardé de Koh-Lanta, le drama de fou. Ah le drama? Eh oui. Oh la dingue. La dingue. Que je peux vous spoiler ou pas, Koh-Lanta, ce qui s'est passé? Ben... En vrai, c'était mardi, on est vendredi. Non? C'est mardi, c'est vendredi. Enfin... Aïe. Là, je peux pas en parler, alors. Moi, je regarde pas, donc tu peux y aller. Bah, moi aussi, je regarde pas, mais j'avoue que si des gens regardent, je pense que c'est bon, c'est regardé. Ils avaient qu'à regarder, j'ai envie de te dire. De toute façon, ça a tellement tourné sur les réseaux qu'ils doivent être au courant. En gros, il y a un des participants qui s'est fait gauler. Quoi? À choper de la nourriture auprès d'habitants. Et oui. Alors que tout le sel de Koh-Lanta, c'est évidemment de survivre et de trouver sa propre nourriture. Ouais. D'habitude, ils ont du riz qui leur est donné de manière assez régulière pour qu'ils puissent avoir une base, tu vois. Sauf que là, comme c'est les légendes, le but c'est de... Bah, c'est... Ils sont dans des conditions encore plus compliquées, du coup ils doivent vraiment trouver toute leur nourriture. Ah. Et en fait, ils sont en Polynésie. Et l'un des participants est polynésien, et Teura. Et en fait, non même pas, mais en fait, il connaît un peu les... Je sais pas, il y avait un pêcheur qui passait au loin, il a pas hésité à lui dire de venir lui donner à manger, et donc bah, il s'est fait gauler, et du coup, voilà. What? Éliminé de l'aventure. Alors, mais moi, j'ai une question, j'ai du mal à croire que genre ça soit pas calculé. En fait, il a vraiment cru qu'il allait pas se faire gauler, en fait. Non, il s'est pas fait gauler. En fait, pour vous dire, il ne s'est pas fait gauler, c'est lui-même qui a avoué à Denis Brognard qu'il avait triché. Mais pourquoi il a fait ça, en fait? Denis Brognard a répondu, il avait trop la dalle. En fait, il avait vraiment la dalle de fou, et il a dit que il a vu le passant, enfin le mec passer, et il a craqué, parce qu'il a dit que c'était humain, selon lui. Et puis voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'image, c'est pas en mode il s'est fait filmer en train de prendre la bouffe. En fait, c'est lui, il le raconte après. Non, mais en fait, il n'y a pas eu d'image du cadreur en mode regardez, il est en train de manger. Dans son tweet longueur, il a dit qu'il s'était pas fait gauler. Après, c'est lui, tu vois. Genre, dans son tweet longueur, il a dit que c'était lui qui était allé voir Denis. Au final, c'est. En moyenne, 12 kilos, me dit-on dans le chat. Et d'ailleurs, il y avait un mec qui arrivait un peu plus gros cette saison que la dernière fois. Et j'étais en mode, mais c'est trop la bonne strat. T'arrives un peu plus fat, comme ça, tu maigris un peu, mais pas trop, quoi, tu vois. Moi, je m'y prépare depuis des années, là. C'est chaud. Allez, c'est parti, les amis. Mario Kart. Mario Kart. En bateau. Ah, tu t'es mis en bateau? Ah, j'ai pas randomisé. En bateau. Je suis en bateau. Hop là, attention, la banane. Il y a pas randomizer, mais pas mon bateau. Non, c'est vrai. Il faut que je randomise. Tout fout le camp. Tout fout le camp, ouais, c'est vrai. Tout fout le camp. Quelle map exceptionnelle de Zerator sur Trackmania, tout fout le camp. C'est une map exceptionnelle. On rappelle pas du tout. Je tenais à vous le dire. Elle était... Exceptionnelle, apparemment. Est-ce que c'était un bangers? C'était un album. Un album. Avis sur 10 sur ma décoration d'Animal Crossing? Bah c'est très bien, mais je pense qu'il faut que tu rajoutes un peu de...
de vie à ta pièce, tu vois, genre des vêtements au mur, des chaussettes par terre, une paire de chaussons près de l'entrée. Je suis d'accord avec toi. Comme si la personne s'était déchaussée, tu vois. Mais j'ai complètement rajouté des choses pour rajouter de l'âme, mais... Oh, c'est nul. Voilà, mais sinon c'est très bien, bravo. Ouais. Moi, je trouvais ça à chier à YouTube. Eh ben, je comprends, mec. C'est toxique, Antoine. Je comprends, j'adore les déjections. C'est vraiment un toxic player, Antoine. Oh non, Ulti a été première toute la game. Toxic player sur Animal Crossing. Ouais. Même sur Animal Crossing, il est toxique, quoi. Mais du coup, tu me demandes parce que tu estimes que je suis un peu une référence sur Animal Crossing. Oh là là. Ouais, j'ai confiance en toi en termes de déco. Ouais. Super. Oh, super, elle est refaite. Super. Oh non, j'avais un klax. Oh, tu veux être clair. J'avais l'étoile. Oh non, bro, je suis deck pour toi. Non. Oh, super. Un petit coup de batale. Ça va bien vous emmerder, ça. Oh non, le bloop sort. Oh non, t'as pas fait ça, mec. Oh, il a mis de l'encre partout sur mon écran. Je vois plus rien. Oh non. Je vois juste plus rien, en fait. Putain, lâchez-moi les basques. Oh, bah, Ultia, c'est le jeu, hein. Le but, c'est d'être première, je suis désolé. Bon. Ça commence à bien faire. Va sur le standard, fin comme un oiseau. ICO. Ah, putain. Je cherche même pas à attaquer toi. Oh, c'est ça, mes objets. Bah salut à tous hein. Mais c'est une... Mais putain, mais mince, c'était sur le fil. Mon monstre. Bien. Allez, salut. Je suis un monstre. C'était sur le fil derrière Rivenzy. 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 Oui, c'est moi, c'est moi-même. Rivenzy. Okay. Là, c'est moi. Zone. Ah, c'est toi, Rivenzy. Rivenzy. Ouais. Elle est trop. Allez, bien, la mère de... Merde, je trouve pas le randomizer. Ma mère m'appelle avec mon pseudo Twitch aussi. Antoine Daniel. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. Antoine Daniel live. Non, pas live, non. Pélère. Ah oui, non, c'est vrai, il y a plus live, pardon. Bah, il a changé, je peux rien. Ouais. Ah bah écoute. Antoine Daniel live. S'il te plaît, peu de respect. C'est ma map préférée de l'histoire des maps. Elle est exceptionnelle. Elle est plutôt stylée, on va pas se mentir. C'est ma préférée aussi. La preuve de l'histoire. Je pars en randomize juste après en termes de cette. Bien sûr. Ouh. Et je joue mal ce soir. Salut à tous. Non, t'es le meilleur mec. Non, t'es le meilleur d'entre nous, Antoine. Vraiment pas le meilleur, je suis juste derrière vous trois en fait. Hein. Ah, c'était très sympa de le rassurer, mais je pense qu'il a cramé le. Bon. Ouais, non, bien sûr, je suis à chier. Hein. Ça, c'était trop bien, j'ai aidé le truc. Ceci n'est pas un speedrun. J'ai passé un trop bon moment. Ouais, bah franchement, je pensais pas voir des trucs aussi ouf. Je pensais pas passer un bon moment, mais tu vois. Je pensais pas que tu passes un bon moment. C'est vraiment compliqué en vrai de passer un bon moment. Et tu vois, c'était plutôt sympa en vrai. C'était pas non plus, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais ça va. Ça va, tu vois. Un moment, ouais. Un moment, ok. Oh la dingue, j'ai fait la dumps. En vrai, j'ai même découvert des raccourcis que je connaissais pas dans le jeu. Ah ouais? Mais attends, vous avez fait quoi pendant cette émission? En gros, on a commenté des speedruns du jeu. Mais de quel jeu du coup? Mario Kart 8 Deluxe. Ah oh non, putain! Oh, c'est une blague! Non, je suis abattu, mais c'est super! Mais non, mais c'est de la merde! Oh bah alors, ça prend sa petite voix de tête, Florence! Non, mais oh, Joséphine de Boccolier! Non, voilà, c'est juste l'enfant qui chouine. C'est juste une merde qui chouine actuellement. Non, Joséphine, elle a pas cette voix-là. Ouh là là! Ah, c'est bon. Oh non, la bombe. Si, oh, la bombe. La grosse bombe. Mesta bombastic. Alors, qui est le deuxième? Personne. Oh yes. Merde, je viens de lancer une bombe dans le vide. Attention, Ultia, oh ok, ça va. C'est moi. J'ai vu la fourberie étoile. Oh non. La remontada. Ah, moi, je me suis fait défoncer à la toute fin. Ah, dommage. Alors... J'ai failli être fastidieux. Derrière. Bob. Voilà, on remonte. Oh là là, Todd. Eh ben, let's go. Le monde est méchant. Eh ben, let's go. Le monde, il est méchant. Ouais, vraiment très méchant. Ok. Oh, c'est fou de fou que t'as, mec. c'est impressionnant, hein. Oh, gros, le flou, c'est de la courbe. C'est de la Rosanna, gros. Oh, merci. C'est de l'épargne. La contrex, mec.
Ah, ça va. Oh, un contrat moi, j'ai pas beaucoup. Ouais. Mais écoutez, je fais ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Quoi, mais bon. Les parts, c'est quoi exactement comme mot? C'est l'eau immonde, là, c'est ça? Ah, c'est l'eau pour. Ça fait chier, quoi, l'eau, les parts. Ah, ok, d'accord. Avec beaucoup de. Magnésium. Ah, quand t'as des problèmes de transit, en gros. Exactement. D'accord. Okay. J'ai du mal à chier, en gros, quoi. C'est ça. Moi, j'adore les parts, pour le coup, c'est exceptionnel. C'est vrai, tu bois de les parts? Si... Non. Normal. Mais le goût est pas si horrible. Pour les oh, champidrome! Je trouve. Pourquoi tout le monde dit que c'est immonde alors? Moi je trouve pas ça immonde. Ok. Voilà. Ouais. Vraiment des avis qui tranchent ce soir. Hein. On n'a pas peur de dénoncer ce soir. Attends. On prend tous les risques. Il y a quelqu'un qui veut dire Antoine. Quand tu kiffes chier, effectivement. Antoine? Oui. On m'a dit que t'as reçu des DM de Bigard sur Twitter. Quoi? Ouais, fait. Quoi ouais, il m'envoie des DM. Il m'envoie des DM, effectivement. Pourquoi? Il m'envoie des blagues. Déjà, il m'envoyait. Déjà, en fait, pourquoi on a vu un premier contact suite à mon album Libre de droit, là, avec j'ai fait une chanson qui s'appelait Bigard. Ah, Bigard, ouais. Ah oui. Et du coup, voilà. Et ensuite, après le The Event, là, il m'a envoyé un message pour me dire pourquoi vous faites pas un The Event au Stade de France ou à Bercy? Mais non. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Déjà, un, pourquoi tu m'envoies ça à moi? Et deux, bon, qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Marie? Ça va pas du tout. Est-ce que tu l'as dit? Tu pourrais proposer ça dans un pub pour lui si tu veux. Oh, ouais, t'as... Je te raconterai plus tard l'info. Et il y a ça. Et maintenant, il m'envoie en fait des vidéos de lui. Oui, en fait, c'est les vidéos de. Il fait des blagues Instagram. Où il dit ouais, je suis en spectacle à tel endroit, telle heure, venez, machin et tout. En fait, il me les envoie par MP. Mais quoi? Non, mais ça va. Il a craqué, Jean-Marie, là. Ça va pas du tout, mec. Il est bien. Mais c'est son CM, Jean-Marie, c'est pas le vrai. Ça va pas. Je veux pas y croire. Ça, bah, moi, je pense que c'est son CM, ouais. Bah, il faut qu'il change. Mais il faut changer, ouais. Il faut changer du CM. Attends, mais quoi? Putain, l'angoisse, ça fait des études de plan, mais tu te retrouves CM de Jean-Marie Bigard, quoi. Le Diévent au Stade de France, mec. Ça a aucun sens, mec. Mais pourquoi vous faites pas ça? Sur la pelouse. Lourd. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Hein. Merci beaucoup. Enfin, le plus tard possible. Bien sûr. Évidemment. Mais ah ouais, bah écoutez, bonne idée hein, ce truc au Stade de France là, franchement. Ah, carrément, merci Jean-Marc. Il fallait y penser. Mais attends, mais quoi? Mais attends, mais tu lui réponds ou pas? Non, 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 je réponds jamais. Ok. Parce qu'en vrai, ce serait intéressant de savoir la démarche quoi, genre lui demander, mais bro. Toi, si tu utilises ton klaxon, t'es raciste. Merde, je voulais le double. Ok. Aucun problème avec des problèmes. Ouais, est-ce qu'il a déjà eu des problèmes avec ça, avec le fait d'assumer ça? Aucun problème. Ok. Tout ça abusé, mon gars. De racisme? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé. Non. Ah, par contre, ce qui est. Oh là là. C'est abusé, ça aussi. Ça, c'est abusé, ça. Je suis encore dur, derrière Todd, mais ça fait deux fois que je suis derrière Todd. Je suis vraiment un sociopathe, je suis désolé. C'est qui a mis la bombe? Ah, oh, oui. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Rayou? Rayou? Florence? Oui? L'ensemble, Florence. En ensemble, pas du tout, du coup, tu lui as mis la bombe. Non, non, c'est pas moi. C'est totalement toi. Le chat balance, s'il vous plaît. Pas de preuve. Moi, j'ai mis une bombe à un moment, en fait, je viens de me rappeler. C'est le monde pour cave. Ah, j'ai dit, c'est abusé en vrai. Et c'était genre début du troisième tour? Enfin, début milieu du troisième tour? Abusé. Angle? Ok. Rivency! C'est moi-même. Putain, je lui demande Rivenzy. C'est moi, Florence, je m'excuse. Non, mais vraiment, j'étais deuxième, j'étais derrière Antoine, j'étais passé deuxième. J'ai pas écrit la page, j'ai pas écrit. Rivenzy. Rivenzy. Oh, la charge mentale, là, rien qu'avec ce son. Bah ouais, mais tu choisis jamais les maps. Tu reprends la même, quoi. Et tu prends la même, mais Riv, faut vraiment réagir, hein. Mais parce que Rive aussi à l'ouest que Jean-Marie Bigard quand il envoie des messages en. Résultat, j'en parle en live. Résultat, Rivenzy. Tu lui fais de la pub? Non, je pense pas en vrai. Bah, hier, j'ai fait écouter le message qu'il m'a envoyé où il dit je serai à Arras tel jour. j'ai montré ça devant des milliers de personnes, tu vois. Donc, attends, c'était la vraie voix de Jean-Marie Bigard? Mais non. Bah, si c'est lui, je pense que c'est sa vraie voix, oui. Non, mais attends, mais on a dit que c'était peut-être un CM. C'est parce que je pensais que c'était le CM. Mais non, il m'envoie les vidéos que Jean-Marie Bigard poste sur son Instagram en fait. Oh la dingue. Tu peux pas répondre genre m'en bats les couilles? M'en bats les couilles? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est très intéressant d'avoir quelques news. C'est comme ton dealer de Strasbourg là. Oui, mon dealer de Strasbourg. J'aime bien avoir des petites news quand même. C'est peut-être la même personne, hein. Non, c'est pas un fan. J'ai pas la rêve du dealer de Strasbourg. Ah, au moins non plus, je l'ai pas. Oh, raconte, mec. Oh là là. Déjà, étoile, ça. Mérité. L'info. En fait, merde. Ah putain. Attendez, c'est compliqué. Deux secondes.
Depuis plus d'un an maintenant, en vrai, je crois. Ah, depuis plusieurs années. Non. Tu as toujours pas fait des mottes d'ailleurs, je m'en pensais. En fait, je suis dans une boucle de dealers de Strasbourg qui vendent vraiment tout un tas de choses, hein, vraiment pas que du shit et de la beuh. Ouais. Du lait, du sucre, une belle épicerie quoi. Des apparts, enfin. Et en fait, ils changent de numéro tout le temps et ils sont plusieurs. Putain, c'est bon. Et je reçois tous les jours, littéralement tous les jours, plusieurs messages de ces mecs-là pour me dire là en ce moment il y a ça, c'est de la frappe et tout. La putain de frappe. Non. Et tu leur as jamais répondu en mode mais je. Jamais. Littéralement jamais. Littéralement jamais. Tu les as pas dénoncés, Antoine ? Non, tu aurais pu aller à la police donner leur numéro. L'enflure. Ça, tu aurais pu quand même les dénoncer, tu es complice, hein. En disant moi, tu es complice, hein. Sache-le, Antoine, hein. Je déteste cette personne. Des flics sous couverture qui sont vraiment persuadés et qui essayent de bientôt un an. Ils essayent de fou, hein. Antoine, ils ont confiance et qu'ils craquent, tu vois. Non, ils pas le faire craquer, lui. Moi, tu sais, à ta place, j'appelle les flics, hein. Concrètement, J'appelle les keufs, hein. J'appelle les keufs. Ultia ! Oh non ! Connasse ! Oh non, mais non. J'ai vraiment dit connasse, mais excuse-toi. Non. Ouais. Immédiatement. Quoi ? Ouais. C'est vrai. Tu peux pas insulter les gens comme ça, hein, c'est pas possible. C'est vrai. Il ne peut pas. Tu peux me rendre le truc, s'il te plaît. Genre, vas-y. Un truc ultra violent, Ultia, que tu serais capable de dire. Non, non, je veux des excuses. Je veux des excuses, vous m'entendez ? Je vais y réfléchir. Ok. Revenge ! Ultia, j'y ai réfléchi. Oui. Excuse-moi. Ok, honnête. Bah, ça t'arrache la gueule, hein. Merci. Ah, mais ça. J'ai beaucoup réfléchi, hein. J'ai beaucoup réfléchi. Putain, elle remet son grain de sel encore. Insupportable. Insupportable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est JD. C'est pas moi, arrêtez de m'accuser. Je suis le bouc émissaire de cette émission. De cette émission. C'est une émission, c'est de ce programme. Script, hein. À partir du moment où il y a un script, c'est... J'ai révélé le fait que c'était pas scripté ce soir. Ah non, mais c'était sérieux. T'as le stream kit, Ponce, s'il te plaît. Bien sûr, je le stream kit. Antoine. Antoine, derrière, on fait un truc en impro pour la première fois. Essaye de... Justement, ils vont être déçus, ils vont se dire... Les gens voient bien que c'est moins bien, mais du coup, maintenant, ils ont l'explication, tu vois, c'est pas... Je sais pas. Pistodel. Pistodel. De... Ouais, je l'ai mis dans Blabla Streamers. Oui, merci. C'est tout à fait, Rivenzi. Boum. Grosse grève des scénaristes de Twitch actuellement. Vraiment. Il est trop stylé ton combo pont. Ouais, t'as vu, alors, j'ai un petit flow. Il y a une question dans le chat qui est pertinente. Pourquoi il y a Ponce dans Ponce la Switch? Parce qu'il est un peu mégalo, du coup il a appelé l'émission. Non, mais à la base c'est MK quoi. C'est vraiment MK. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Ponce quoi. La question c'était peut-être pourquoi on inclut Ponce dans les émissions Ponce la Switch. Alors qu'il pourrait juste ne pas. Meilleure question, oui. C'est incroyable en vrai. Moi je serais pour, hein. Pour qu'ils viennent plus quoi, juste. Ouais, vraiment, genre. Vraiment, je serais plus là quoi. Mais non, mais c'est bizarre parce que du coup on pourrait pas appeler Ponce la Switch du coup. Bah pourquoi ça? Bah si. En hommage, tu vois. C'est comme ça, on profite du cloud. Oh non, mais putain, pas la blue. Ok. Ouais, attends, si je suis attends, une légende. Après, attention après, à la verte. Mais non, le donut de merde. Je crois que je suis une c'est légende. C'est bizarre quand même de vouloir inviter Ponce. Enfin, il a rien je fait. Suis trop une merde. Mais non, laissez-moi. C'est bizarre de vouloir l'inviter surtout, mais vas-y. Okay. Je ne vais dans ma course, je me fais Mario Kart. Mario Kart. Quel idiote. Un petit bill. Non, arrête. Non, mais pour raconter un petit peu l'histoire, parce que ça veut rien dire Ponce la Switch, mais c'est juste qu'à la base de la base, pour ceux qui étaient pas là, c'est que on était censé faire. Tu ta mégalomanie Non, j'explique le lore. On était censé faire un Ponce la nuit avec étoile, et en fait, il y a eu. Bah, en fait, le confinement annoncé, et on savait pas trop quoi faire, et on était un peu deg aussi. Du coup, on s'est dit go, on joue à la Switch avec plein de gens, et on a joué à la Switch avec plein de gens, et pour rigoler, on avait dit Ponce la Switch. Et voilà, c'est resté ad vitam aeternam. En fait, non, on n'a pas vraiment joué à la Switch avec plein de gens. On a joué à la Switch à deux et Xari nous a rejoint à la fin pour Mario Tennis. Il n'y avait pas plein de gens? Non, il n'y avait pas plein de gens le premier épisode. C'est à partir de la deuxième fois où Antoine est venu et ensuite il y a eu Riven. On n'était que trois ce jour-là et je streamais même pas. Enfin, je veux dire, j'étais pas en stream à ce moment-là. Ouais. Et Antoine était venu vraiment à la toute fin en hors stream. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà, c'est. Il y a une histoire quoi.
Il y a un storytelling. Il y a un storytelling. C'est bon. C'est bon. Vous voulez plus d'items? Non, mais ma vie est merde. Et vous, Rivenzy. C'est un clutch scandaleux. Non, dommage. Idiote. Boom. J'ai été. Voilà. Il y a un background en fait. Il y a un background. On oublie cette course. Boom. Bah, c'était en plus la course que tu avais sélectionnée en plus. Non. Il faut que je joue villageois vu que je Preuve. Bah, regarde sur tous les. Ouais, voilà, juste en fait, il y a plein de preuves pour le coup, c'est complètement en train de dire ça. Là, vraiment, peut vraiment prouver que c'était ta course. Y compris sur ton propre stream en fait, donc je vois pas trop le. Bah, qui c'est qui avait voté ça alors? C'est qui? Parce qu'en fait, c'est. Rayou. C'est ton mie. Non, mais... Ah bah on accuse tout le temps l'arabe, depuis bravo quand, depuis quand Rayou il a un skin incroyable. On commence à faire sa victime, merde hein, c'est bon hein. Alors, on le connaît le numéro, on le connaît hein, ça va, on a compris hein. Oh la vache. Ah bah bravo. Bravo Florent Joséphine, j'espère qu'on est fiers. Ah bah tu sais, elle a fait la fac de droit hein, c'est pas non plus les gens qui sont... bravo. Oh. Encore les hommes, voilà, depuis tout à l'heure. Je me sens encore. Ça dénonce hein. La guerre donc au ma course vent, l'amour de course vent, avec le fleur, les plus, je propose la route du banc exceptionnelle. Par rapport à cette merde là. Ça c'est clair. Si vous deviez avoir un regret sur cette année de Ponza Switch, ce serait quoi? Non mais sur cette année regret quoi sur le truc sur le Ponza Switch qu'on fait la présence de Ponza en global. Putain, c'est genre le truc bah, vu, le point noir quoi, de, on essaie peut-être d'améliorer le concept. Si vous avez une remarque, un regret, n'hésitez pas à l'exprimer maintenant. Mais tu parles ou à le signifier dans le Google Form qui vous sera distribué à la fin. L'angoisse ultime. On fait un petit sondage à la fin. Je vous prends un peu de cours mais c'est important je pense de le dire devant tout le monde. On est entre nous, donc si vous avez des regrets, des frictions personnelles avec des gens dans le chat ou avec nous ici en vocal. Moi j'ai eu des frictions personnelles, mais avec des gens de l'équipe là, de nous quoi. Ok. Alors bah il y a un peu Ponce. Mais j'ai fait quoi? Mais j'ai fait quoi putain? Il y a Étoile aussi vite fait. Venez, on se dit nos quatre vérités quoi. On se dit tout hein. Je peux pas les blairer. On se dit tout hein. On se dit tout ce soir. Mais mec, on a fait du Mario Party ensemble. Ouais bah raison de plus. Oh, désolé oui, Florence. C'est même pas gagné en plus, c'est pas toi qui a gagné non plus. C'est toi. Non, je suis désolé, c'est pas toi qui a gagné quand j'ai joué avec toi, t'es sérieux? Tu m'as pas volé genre 8 non, étoiles d'un coup là. Non. Change des. Preuve. Oh, arrête avec ça. On peut se dire dans quatre vérités, moi par contre, c'est vrai que j'ai toujours pas digéré ce boomerang sur Circuit Yoshi de Ponce, quoi, pour le coup. De quoi l'aller-retour là? Ce triple boomerang m'a fait énormément de mal. Et lui, tu penses qu'il a digéré la bleue que tu lui as mis? Merci Étoile. Bah, merci Étoile. J'en reviens parce que bon, j'en reviens tellement qu'il y a une émote, mec, qui est spammée à chaque fois qu'il y a une bleue. On l'appelle Rivendi la bleue maintenant, gros. Femme, gros. En vrai, je m'en souviens pas du tout pour le coup de cet épisode. Je suis assez. J'aimerais bien pouvoir répondre de mes actes sur ça, mais j'ai pas trop de. Répondre tes actes, il y a des clips, mec. Oh, il y a des vidéos, il y a. Là pour le coup, il y a des preuves. Non, il y a pas mal de preuves, ouais, effectivement. Un peu sorti de son contexte, je crois, comme email. Mais bon, changeons de sujet, je pense que c'est un peu. Bah, tu nous as demandé, hein, donc nous. Florence, est-ce que tu as des. Est-ce que je peux juste dire un truc? Moi, il y a un truc que j'ai pas digéré, c'est le fait que Rivenzy en un an n'ait pas su mon prénom, quand même. Oh oui. C'est toujours autour de Rivenzy, finalement, j'ai l'impression que c'est quand même. Putain, j'avais une bile, j'ai envie de creuser. C'est peut-être lui le problème, hein. Ah, je peux pas vous mentir que pour ça c'était parce dur. Que j'ai initié la discussion donc je peux comprendre, je suis l'homme à abattre parce que c'est moi qui ai un peu l'idée de la discussion donc je peux comprendre qu'il y a une friction non, c'est générale. C'est vraiment pour d'autres raisons mec. Ah, d'accord, ouais. okay, c'est, bon. C'est vrai que tu l'appelais Rayen, il y a encore deux mois pour toi c'était Rayen. Hein. Rayen gros. Rayen. C'est que je n'ai jamais été corrigé et que j'étais gêné de fait en gros j'avais un doute. Tu veux qu'on te corrige Rivenzy? Mais corrigez-moi, je vous en conjure surtout toi Antoine. Corrige-moi. Corrigez mon pote. Prends-moi par les cheveux, gros. Corrige-moi. Waouh! C'est rare. Je vois aller mon mercure. Allez. Rayen, quoi. Déconstruis-moi mais... comme si j'étais une boîte de Lego de 700 pièces, putain. Qu'est-ce que tu me racontes, putain, quel enfer. Déconstruis-moi. Putain de merde. Dis-toi que j'ai pas débloqué le terraforming sur Animal Crossing, mais pourtant. Et pourtant. Putain. La suite. Un ruban. Ok. Concentrons-nous. Mais il n'y aura pas la suite. Concentrons-nous. Mais voilà, en tout cas, je suis désolé effectivement d'avoir dit Rayen pendant très longtemps parce que moi j'avais un doute, je savais pas trop, etc. Et en fait, c'était dans un cercle vicieux parce que si je demandais une confirmation
ça devenait gênant. Et mais plus je retardais la demande de confirmation, plus ça devenait gênant parce que le temps passait au final. Mais mec, tu connais genre les DM ou quoi, par exemple? Ouais, tu connais. Enfin, je sais pas. Ça aurait été un DM bizarre, ça. Et quand gros, même. Et comment est-ce que. Excuse-moi. C'est quoi ton prénom, en fait? Mais non, mais t'envoies un message à genre à un nous et tu dis le prénom d'étoile, c'est bien machin, et nous on te reprend. Genre. Mais moi, j'aurais pas pu m'empêcher de le dire en live. Il s'appelle bien Florian, y a pas de soucis. C'est Nicolas, tout à fait. Mais gros bat. En fait, ça, je peux pas trop vous faire confiance non plus, quoi. C'est un quoi Non, je rigolais, évidemment. C'est un point de friction que je voulais lever avec vous, mais tranquille, y a rien, j'en parlerai plus tard. De quoi, tu peux pas nous faire confiance, c'est ça que tu viens de dire là? Je te sens qu'il y a des tensions en fait. J'avais ce dessiné là. Depuis que Revenzy a triché pour aller récupérer de la pouffe pour penser la suite, je trouve ça abusable. Puis j'ai volé la salade d'étoiles sous son bureau, il y a une tension de fou. C'est vrai qu'il y avait une histoire comme ça? Non, c'était Ultia qui avait été volé. Pardon? Quoi? Non, c'est toi. Tu lui as volé j'avais son été volé par toi, mon blush? Non, oh, blush. Ça c'était une autre histoire. Oh, le point fiction qui est de ressort. Oh, papa, le blush. Le blush a été rendu. JD, tu te souviens en 2012 quand j'ai dû rentrer sous la pluie après le tournage de ta vidéo là? Il y a tout qui sort. C'était un peu loin, c'était un peu loin. T'étais arrivé un peu en retard de base de toute façon. Ouais, bah attends mec. Oh, ok. T'étais vers Bercy de merde. Oh, ok. C'est le nom du quartier, c'est le nom du quartier. Mais bon. Oui, ça s'appelle Bercy de merde, mais ça c'est pas vrai. Oui, ça a été renommé maintenant. Oui. Accor Hôtel Bercy de merde. Accor Hôtel merde maintenant. Accor Hôtel de la merde. Accor Hôtel de la merde. Mais vous voyez, on se libère, vous voyez, ça fait mal, mais on se libère. C'est vrai que ça fait mal. Tu sais quoi, tant qu'on y est, toi, Rivenzy, la première fois qu'on s'est rencontrés, t'as été une grosse fumure. Oh. Mais t'es quoi, une quoi? Fumure. Une fumure? Pourquoi il a fait quoi? Ça veut dire quoi, fumure? Fumure, Une enflure et un fumier, j'imagine? Et le fémur, peut-être? Et le fémur? C'est une partie de quoi? Le mélange entre raclure et fumier, de base. Ah. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Parce que moi j'étais toute contente et tout, et puis lui il était en mode avec son pyjama rayé et sa tisane, je vais me coucher, machin, boring. Pourquoi il était en pyjama? Pourquoi? Ah, bien joué, Ultia. Je suis première sur cette. Attendez, excusez-moi, j'en peux revenir? C'est quoi cette histoire? Et vous étiez nu? Bah oui, c'est une histoire de pyjama. En fait, ce que j'ai compris, c'est genre Ultia voulait Ken et Riven. Et lui il buvait juste sa tisane, mais j'avoue. En fait, dans une chambre d'hôtel à Paris Games Week, Ultia débarque nue devant moi. Je suis en mode, ben, juste, je vais me coucher en fait. Et j'ai juste mis une giga crampe à Ultia. Oh, c'est quoi ce rire? C'est Juliette. C'est Juliette, c'est Juliette, c'est quoi ce rire de sourisseau, quoi? C'est Juliette. Oh ouais! Juliette, la secrétaire. Mais du coup, effectivement, j'ai crampé Ultia, effectivement, dans un hôtel, effectivement. J'ai crampé! Ne dites pas ça parce qu'on y croit! Déjà qu'il croit que je vous engueule vraiment quand vous faites quelque chose. J'ai crampé Ultia, t'es un biscuit! Oh frère, j'ai plus de pépito, il y avait Ulti à dispo. Quelle vie. Arrêtez s'il vous plaît là. Oh pitié. Pitié, on arrête. Tu me mets mal à l'aise. Moi je ne trempe personne. Moi, mal à l'aise. Personne ne trempe personne ici en vrai. Rivenzy, tu merdes, c'est bon. Ok, c'est Rivenzy qui ramasse ce soir en vrai. Ouais, c'est clair, c'est ma question. Est-ce qu'il faut dire des vérités qui vont mal? Attention hein. Attention. Bah vas-y mec. Non, je peux pas. Ah bah voilà. Non mais la vérité, c'est que la première fois que j'ai rencontré Ponce et Rivenzy, moi je voulais sortir faire la fête, etc. Ponce il était chaud, et Riv il disait non parce qu'en fait demain... Oui, mais c'est quelqu'un de sérieux, Riv. Et Riv en fait tu fais tout le temps ça. Genre quand on fait la fête, tu dis non moi je suis fatigué, je vais dormir. Oh, l'imitation est propre. En fait il est tout sauf One Life, voilà. Il est tout sauf One Life. Ah ouais. Oh le reproche. Mec, t'es juste pas One Life en fait, c'est injouable. C'est pas One Life quoi. Oh bah si t'es pas One Life, bon, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Qui est One Life ici? Y'a des gens One Life? Des gens One Life dans le chat là un petit peu ou quoi? Excusez-moi, Cathy Gaby. Ah mais Ultia, c'était toi au lycée qui disais ah ouais ce soir on va au bowling. Bowling. En vrai,
Oh, un point de friction supplémentaire là qui va se dégager. C'est pas le problème avec le bowling. C'est bien, avec, mais trop chiant. C'est sympa de temps en temps, tu vois, une fois tous les 3 ans quoi. La flemme. Après, je suis pas one life, je suis quand même, je suis one life de temps en temps. Vous êtes pas vraiment one life quand même. De temps en temps, ça veut dire que tu l'es jamais. Si, je suis one life de fou. Non, regarde, cet été, t'es même pas venu. Cet été, t'es même pas venu au bootcamp. Au bootcamp. Il est jamais venu au bootcamp, c'est quoi? Oh non, mais putain de fantôme de merde! Ouais, grave, complètement. Je taffe! Bah, excuse-moi d'être sérieux, quoi, je taffe, quoi. Antoine, sale chien. Le monde n'attend pas, quoi, hein. Le monde n'attend pas, gros. Le monde, attendez, mais ouais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, quoi, merde. Hein. Ah ouais, nous? Par exemple, j'avoue. Là, avec. Ah, excusez-moi, les gars, 6h30 ce matin, matinale à 8h. C'est vrai. J'ai 9h cloqué. Et toi, c'est la première fois aussi. Aussi, mais j'étais le aussi, rappelle-toi, j'étais raide et tout. Et toi, j'étais réveillé. J'étais réveillé. À 8h du matin, j'étais bien réveillé. Ah ouais, hein. Ouais. Mais toi, JD, ça te déprime pas, genre, de te coucher à genre 9h? Non, en vrai, ouais, en vrai, là, c'est vraiment tard, ça me casse un peu les couilles. Mais par contre, me coucher vraiment tard, genre 6h ou quoi, non, j'aime bien. Ok. Mais non, par contre, là, j'avoue, là, se coucher quand il fait vraiment jour et tout, c'est abusé. C'est chiant. Surtout que tu vois pas la lumière du soleil, non? Ouais, du coup, ouais. Surtout l'hiver. Bah, l'hiver, ouais. Mais non, j'adore vivre. Non, mais sinon, j'adore vivre la nuit. J'adore ça. Ok. Nous, les personnes qui se levent tôt, on comprend, quoi. Oh putain, là, écoute, ouais, il est insupportable. J'ai tellement hâte que maintenant sur Twitter, tu fasses l'appel, c'est comme tous les mecs de Twitter. Qui est debout à cette heure-là, là, à 7h? Qui est en Yes Life ce soir? Voilà. Putain, les appels Twitter Yes Life, ça va casser les couilles. Yes Life, là, je sais l'appel. Parce qu'en fait, si tu faves pas, t'es une merde, en fait. Parce que là, Yes Life, c'est pour les boss. Fave ou t'es une dob? Yes. Alors que 80% des gens qui like ces tweets se vont se coucher. Ouais, c'est ça. Ils vont dormir, mec. Ça m'est bien. Ah là là. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a, le tien? Pour ce moment, comme dirait Valérie Trierweiler. Oh oui, très bonne ref. Oh d'ailleurs, mais d'ailleurs, attends, c'est qui a dit ça? Ah mais c'est Hugo Décrypte qui a dit ça à Hollande. Ouais. À la fin de sa vidéo avec Hollande. Et franchement, moi j'avoue, j'ai dit ça quand même, c'est un peu. Il a dit ça à la fin de vidéo. Oui, il lui a dit ça. J'avoue, c'est pas correct de sa part, alors que François Hollande a toujours été très correct, quoi. Donc vraiment, je comprends pas. Il a toujours été très correct avec Van Décrypte, en tout cas. Ouais, mais c'est pas fait exprès, non? Mais non, il a pas fait exprès. Non, il a pas fait exprès. Mais la référence est... Et cocasse. La référence est cocasse, effectivement. Les esprits les plus fins auront relevé rapidement la référence à Valérie Trierweiler, ex-femme, bien sûr, de l'ancien président. Bien sûr, Rivenchy. Excusez-moi, vous avez raison, il faut être précis quand on fait l'analyse politique, bien sûr. Un des gros trucs qui me fait chier avec toi, Rivenchy, c'est ton manque de rigueur, en fait. La plupart des fois, quand tu parles, ça m'énerve beaucoup. C'est... Oh oui. Ok, je prends. Moi je trouve que c'est la fête de Rivenzi. Un peu. Il a dit, on se dit mais les choses. Mais toi aussi, mec. C'est ce que j'ai vu dans un truc de teamwork. Moi écoutez, je prends. Là tu veux teamwork, je suis allé sur LinkedIn. De toute façon, j'ai souvent vu que de toute façon les groupes se formaient autour de la haine d'une seule et même personne. Si je dois être cette personne et que vous êtes soudés, bah je prendrai cette responsabilité. Non, mais d'accord, excuse-nous. Si vous devez me haïr pour que vous entendez bien, alors ça y a pas de soucis. Mais qu'est-ce qu'il veut, putain? Tu suis des cours en ligne sur le management agile ou quoi? Comment tu sais, Ultia? Le management agile. Ouais. Je préfère celui à Alexandra. Le management de pense, quoi. Putain, ouais, j'allais dire c'est le mien, j'osais pas le dire, vous l'avez fait, putain. Ouais, bah ouais. Pourquoi c'est le management de pense? Le management agile. Mon nom de famille, tu sais. Mon nom de famille, tu sais, c'est... Il y a des mecs qui sont ce soir. Ouais, je suis un peu. Il y a des mecs qui savent. Mais putain, mais non, c'était une mauvaise idée. Agile. Oh, ponce. Parce qu'en fait, tout. Ah oui. Allez, on passe à ponce. Non. Rien ne va, rien ne va. Rien ne va. Il a bleu en deux. Rien ne va. Rien ne va, tout part à volo. Y'a quoi qui va? Rien. Tout part à volo. J'en ai marre, on passe sur Smash dès maintenant, je pense. Écoutez, c'est... Ouais, let's go. C'est ma fête, mais écoutez, je prends, y'a pas de soucis, moi j'accepte. Un Smash Bros, c'est le premier Ponce la Switch où il y a des gens vraiment intoxiqués de Smash et ça me rend vraiment heureux. Voilà, Ponce là en ce moment... Pff, ouais, je joue 2-3 fois de temps à autre, effectivement.
trois fois par heure à peu près. Bah ouais, mais en fait c'est super addictif hein, je trouve Smash comme jeu, et vu que les arènes marchent bien, qu'on s'est fait un petit groupe sur Twitter avec quelques joueurs de notre niveau à peu près, bah c'est trop kiffant. Ouais, ah, trop cool de faire partie de ce groupe, ça fait grave plaisir. Non mais attends, toi tu... putain, t'es pas dans le groupe. Attends, mais... Il est pas dans le groupe. Mais c'est... Ça fait grave plaisir en vrai, c'est cool quoi. Attends mais... Oui. Ah d'accord, non non mais d'accord, non mais c'est au Nutre... Ouais, c'est pour ça que je réponds jamais sur la conf quoi. Ajouter des personnes, attends. Un oubli sûrement, je pense. Oh les... Probablement un oubli, je pense. Ah oui, oh là là. Ah mais ça a bugué. Je... Entre potes et tout, c'est... y a pas de soucis. En vrai, la conf va bugger. Conf va bugger. Non, la conf va bug, oh non. Attends, mais y a pas Riff dedans non plus. Mais quel con, de quel con on parle en fait? Ah oui, non, je ne sais pas, Rivenzi, je vais pas te mentir. On est en train d'ajouter un groupe Twitter. Bah, je suis pas dedans. Si, si, tout le monde est dedans, checker en vrai. Sauf Antoine. What the fuck, il vient de dire tout le monde est dedans, je viens de me faire ajouter à l'instant par contre, j'ai envie de faire. De mon côté. Non, mais sympa quoi, vraiment, non mais c'est cool quoi, des gens de notre niveau, mais ça veut dire que j'ai peut-être un niveau supérieur du coup. Bah oui, bah en vrai oui, en vrai oui. Ouais, bien sûr. Un groupe qui s'appelle les Smashers. Genre. C'est bizarre que Étoile soit dedans, par contre, c'est ça que je comprends. Je suis pas dedans. Il est pas dedans. Ouais, okay. Onu, j'ai extrême dans le chat, MDR. Ouais, Onu, quand même, t'aurais pu penser. Enfin, c'est chaud, mec. Bref. Mais putain, mais vous voulez quoi d'autre? Vous voulez que je mette du rouge à lèvres? Pour me baiser? Ouais, mec, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est Xari qui... après. C'est Xari qui fait cette vanne. Je l'ai tenté, mais tu l'as dit bien. Tu l'as fait bien. Je l'ai pas dit en entier, putain. Ouais, j'ai l'arrêt de passer au Spark. Attention, hein, cette bombe assassine, ouais. Oh là là, mais quel est ton... Tu gagnes quoi, en fait? Bah, je prends de l'avance. Tu sais, c'est un jeu de course, donc je prends un peu d'avance. Oui, mais j'ai pu regarder depuis 1000 ans. Mais oui. Tu trouves ça mieux que les Simpsons ou pas? Parce que moi, j'ai souvent ce débat-là. Ça n'a rien à voir. J'ai souvent ce débat-là sur Twitter en 2004. Non, mais moi, les gens, quand je regardais les Simpsons, me comparaient tout le temps ça à South Park. Ils me disaient, moi, je préfère ça. Parce que c'est deux séries hyper populaires qui datent à peu près de la même époque et qui existent depuis longtemps, quoi. Donc, les Simpsons, c'est plus vieux. Moi, je trouve ça... Ouais, moi, Simpsons, plus, ouais. C'est top 1 dans ma tête. Ouais, si, Simpsons, il y a genre 35, 30, 32 saisons, un truc comme ça. Il y a 30 saisons, les Simpsons. Non, c'est les Simpsons qui sont plus vieux que ça. Oui. J'avais compris l'inverse, j'étais surprise. Ah non, what the fuck. Il y a plein de gens qui disent que ça devrait peut-être s'arrêter d'ailleurs, les Simpsons, qui discutent les saisons. Moi, je vais pas regarder dans 50 ans. Incroyable, les Simpsons, vraiment. Genre, il y a trop de trucs, t'as trop d'épisodes cultes et trop de moments de fou, je trouve. Moi, je trouve que les deux sont cool, mais c'est vrai que les Simpsons, ce qui est rigolo, c'est qu'ils arrivent à dénoncer tout autant en restant un peu plus politiquement correct. Ça me fait... Ah, moi, justement, c'était le contraire qui me plaisait dans South Park, justement. C'était le côté plus trash, on va dire. Non, mais moi aussi, après, j'aime bien ce côté, mais en fait, c'est pas ça que j'ai voulu dire, pardon. J'ai voulu dire qu'en gros, c'est... Je pense que c'est encore un exercice encore plus difficile que de laisser ça sous-jacent, en fait. Mais je suis pas... Non, mais c'est dégueulasse. Quoi? Où ça fait ça? J'ai fait quoi? Oui, non, mais j'aime bien les deux, mais j'ai pas regardé depuis... Et putain, j'étais... Est-ce que t'as pas regardé? Devant moi, apparemment. Ouais, c'est pour ça. Où ça fait ça? J'ai fait quoi? Mec, je sais même pas ce que j'ai fait, je sais pas ma game. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pousse. Quoi? On a fait des choses ensemble, mec, on a vécu. Bah ouais, mais j'ai pas capté, bro, ce qui s'est passé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bien joué, mec! Oh, d'ailleurs, il y a un nouveau dessin animé qui est sorti, Inside Job. BoJack Horseman? Non, Inside Job, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, moi aussi j'ai commencé. Ah, c'est qui déjà qui a fait ça? C'est des gens qui ont bossé sur Rick et Morty et je sais plus quoi. Ah, j'ai oublié leur nom. Et en fait, Dan Harmon et Justin Roiland, je crois. Bah ouais, c'est eux. Et ils ont bossé sur, Inside Job, qui est... Oh là là. Oh, le Park Baby, vous êtes deux à voter ça? Moi, j'ai mis clic, je suis désolé. Chie à des goûts de merde. Je voulais mettre pays fromage. Je voulais mettre pays fromage, c'est celle d'à côté, je suis désolé. On me dit, c'est pas eux du tout qui ont fait le dessin animé. Voilà, bien joué. C'est les Chevaliers et Las Palaces, je crois. Bizarre. Et donc Inside Job, c'est une série où tous les complots, parce que du coup... terminé parce que du coup je réfléchissais à ça. Ouais. Tous les complots qu'il y a aujourd'hui et qu'on connaît, les reptiliens, les Illuminati, machin, tout est vrai. Non, c'est pas le cas, évidemment que tout est vrai. Donc tout est vrai et ils essaient de cacher ça pour que personne s'en rende compte d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. C'est une série sur la vraie vie, quoi, finalement, en fait. C'est la vraie vie, en fait.
Ouais, mais au moins tu vois leur boulot, tu vois, qu'on connaissait pas forcément, ouais. C'est un documentaire en fait. C'est un documentaire, ouais. Oh, le dérapage. Ok, mais je suis d'accord. Oh là là, mais attends, mais je me suis fait. Excusez-moi. C'est les coulisses de la vraie vie, quoi. Cette map me rend vraiment trop triste. Ah, triste carrément. Oh, mais ça va, c'est hyper susceptible en vrai. Je pense qu'il y a des trucs. Ah putain, j'ai éternué. Tu le tiens ? On la bombe. Oh non. Attends, elle tend un peu cette. Ouais, mais vraiment, en fait, elle rend triste. Pourquoi ? Mais dans quel sens ? Et tu vois, genre, c'est un espèce de parc d'attraction. Mais toi, les chiens, ils se mettent là. Et oui, en fait, tout le monde est censé être heureux alors qu'on est en train de tourner de manière totalement triste. Y'a rien dans ce. Y'a de l'enjeu et tout. Ah ouais, y'a un enjeu de fou, genre le premier qui va crever en premier. Le premier qui va crever en premier. What the fuck ? Excusez-moi, je vais me prendre ! Excusez-moi. Je déteste cette course, ça me rend triste. Ok, troisième. Mérité, Florence. Non, mais non, je prends mes cookies dans tes larmes. Tu les as pas pris, j'ai les rouges. Là. Les quoi? Prends mes cookies. On va non, j'ai rien pris. Toi-même, tu sais pourquoi. L'on finit ensemble, toi et moi. Oh, yeah. Gravity Falls pour Inside Job. Rivenzy. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rivenzy. Oui, c'est moi-même, je suis Rivenzy, tout à fait. Et toi, t'es une merde. Oh. Je sais. Ah. C'est un de mes problèmes principaux, mais j'essaye de travailler là-dessus. Sur quoi ? Franchement, je t'aimais bien et tout, tu m'avais appris Smash et tout, on est passé un bon moment ensemble et tout. Ok. D'accord. Donc, plusieurs mois d'amitié sont effacés en trois vertes, c'est ça ? En deux bombes. Waouh. Wow. Ça commence à faire beaucoup, deux bombes en vrai, je comprends. Ouais, deux bombes, c'est beaucoup. Ouais. Trois vertes, ok, deux bombes, c'est beaucoup, mec. Deux bombes, c'est abusé, mec. Waouh, le chat tout virule. Alors faites-vous, concentrez-vous, concentrez-vous parce qu'il y a une référence à un jeu vidéo. Sur ok. Zelda, c'est Zelda, mec, c'est Zelda la référence. Y a bien. Rivenzy. Ah, okay. Bah, c'est pas caché du tout, quoi, mais ok. Rivenzy. C'est moi. Rivenzy. Rivenzy. Vous êtes chaud en quiz. Petite question de culture G, toi, tout de suite. Ouais, let's go. Pendant que tu balances des bombes sur ma gueule en même temps. Quel est le pays d'origine du chili con carne ? Le Chili ? Et non. Merde ! Le Mexique ! Pérou ? Les États-Unis. Et c'est l'Argentine. Exactement les États-Unis d'Amérique. Ah ouais ? C'est Michael qui a inventé ça. Ça a été inventé par un mec du Texas. Les Américains qui ont créé ça, ils se sont dit waouh, on adore le chili. J'aime les cons, je vais faire le chili con carne, ça va être insane. Exactement. La créa est chelou. D'accord. Et oui, ça a été inventé aux États-Unis au Texas. Exactement, j'adore le Texas, c'est énorme. Mais c'est Houston. Ouais. Ah, c'est vraiment le plus américain des Bretons, lui. Ah, je l'adore. Pourquoi tu veux focus, c'est désagréable. Je te focus pas, Florence, tu es devant moi. Tu m'as roulé dessus. Mais la Bretagne, c'est la partie de France métropolitaine la plus proche des États-Unis. C'est vrai, tout à fait vrai, ça. Ouais, mec, c'est le Grand Ouest, hein, c'est le Far West. Sache qu'il y avait même écrit sur le. Merci Sonid. Merci beaucoup pour les 10 subgifts, c'est adorable. Far West. Merci. Bienvenue au Nouvelle Phare. Écrit Phare. Merci Sonid. Ah, le Phare, ah oui. West. Bien vu. Bien vu, hein. C'est puissant. Marketing, en termes de marketing, ils sont très. Incroyable. Oh non, j'ai raté le cut, frère. Oh non. J'ai tout raté. Oh la verte directement, c'est toi ? Ouais. Bien joué, mec. Merci. Non ! Ultia est première toute la game. Attention, oh y'a une bleue. Bah, c'est. Ultia. Ah, mais Ultia, mais recule pas. Merci Ultia, on est ensemble. Putain, j'ai été première genre 2 millisecondes et je me suis pris la bleue. Le timing. Oh, Stan est deuxième actuellement. Alors que je suis mécaniquement meilleure à ce jeu que vous tous en fait. Quoi? Personne déteste. Quelle personne horrible. Oh non, mais non, mais non, mais c'est moi qui me prends la verte. Karma, hein. J'étais karma là, tu m'as envoyé la verte. Ouais. En fait, on s'est juste tous les deux fait chier quoi, mais on n'a pas avancé globalement. Ah ouais. Si j'arrive à Nisk, j'ai win. Mais putain! Elle fait un boucan ma bagnole, je viens de capter, what the fuck? C'est le 4L Trophy moi. C'est le carburateur, mais regarde bien le carbu. Bien rattrapé. Oh, je fais vraiment 8ème à cette course, c'est ça ma vie. Aïe aïe aïe. C'était horrible. Je fais vraiment 8ème. Apparemment, la Brest Business School, donc l'école de business de Brest, qui est apparemment assez. Enfin, qui est pas top c'est apparemment. Ah bon ? Ouais, apparemment. Mais y a des. Sachez. Y a des bonnes écoles à Brest ou pas ? Il y a marqué l'école la plus proche de l'Amérique. Et c'est le vrai slogan. Oh non, non. Je suis sûr qu'il y en a des plus proches, hein, en vrai. Attends, regarde.
Je regarde si c'est vrai. Je regarde Brest Business School. Attends, Brest. Proche de la vérité. Il y en a notamment au Canada qui sont plus proches. J'avoue. Même aux États-Unis, non, je pense encore plus proches des États-Unis puisqu'ils sont dedans, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais en vrai, c'est insane. Mais si, la Switcheuse vient de dire dans mon chat, vous savez que ça a vraiment été un argument de la Brest Business School de dire que c'est l'école de commerce la plus proche de New York. Évidemment, vous pouvez imaginer la qualité de l'école. On vient de péter le site. Proche de New York, non mais là, c'est grave. On a pété le site, par contre, je rigole même pas. Mais non. Si, si. Si. Si, si. Le site est cassé. Allez pas tous voir en même temps, on vérifie pour vous. Nous vidéo, ouais, sur le site de la Brest Business School. L'école est proche des États-Unis. Le site est down, le site est down, laissez tomber, laissez tomber. Comme par hasard, quand on veut checker, on ne peut pas. Comme par hasard, certains n'assument pas leur responsabilité. Après, ils ont leur serveur aux US, donc là, les requêtes qui viennent d'Europe, à mon avis, ça sera attaqué, effectivement. Ça me détruit. Ça me détruit quoi? Est-ce qu'on se refait un 12 courses avant de faire un petit jeu de Yosh? Vas-y. Ouais. Mais par contre, j'ai pas aimé la variante qu'on a fait au The Event qui était de à la fin. Moi, je suis pour qu'on refasse comme on a fait la dernière fois. Là, vous mettiez à poil. Tu veux dire quoi? Les gens devant perdent des vies ou pas justement? Ouais, c'est ça. En fait, faut vraiment que ce soit le dernier des oranges ou des verts qui perdent la vie. Ouais. Ok, pas de problème. Ouais, parce que c'est quoi ah le non, d'accord, c'est quoi le truc que vous avez? J'étais en mode non. Non, mais non. Vous aviez fait. C'était un truc du genre, tous les gens qui sont derrière quelqu'un en rouge ont ouais, perdu ça, une ouais. vie. Mmh. Oh mais ça va aller trop vite du coup. Oui ouais, voilà, ouais. ça allait trop vite. Attendez. Excusez-moi. Le jeu de la biscotte, non? Non, c'était pas ça, bro. Le jeu de la bisque. Le jeu de la bisque. Ouais, et même une version chinoise du site, quand même. Ils se sont donnés, les frères. Ou alors le dernier ferme sa chaîne Twitch. Jusqu'à ce que la partie soit finie, c'est pas mal. À la fin, il reste qu'une seule personne sur Twitch parmi nous, 7. Mmh. Okay. Si vous mettez de l'argent en jeu, je peux finir première comme la dernière fois. C'est vrai que t'avais gagné hein, la dernière fois quand même. Je vais proposer 10 follow, hein. En vrai, ça peut pas aller plus loin que ça. En vrai. Ah, c'était Ultia qui avait gagné le jeu du Yoshi. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui. Pendant The Event, ouais. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, donc elle a tout donné. Elle a tout donné. J'avais déco à cause de mes problèmes de son. Putain, quel enfer. Ouais, ouais, à cause de problèmes. J'avoue, t'avais tellement eu de problèmes de setup. Ah, en vrai, t'as pas eu trop de sujets de setup en vrai pendant le Z-Event. Oh non, je. Bon, ça va. Eribetsu! Ok, donc là, c'est Yoshi là? Non! Ah, ok, ok. Non, pardon, j'ai remis circuit Hyrule sans frais exprès. C'est pas très grave. C'est pas grave, c'était un bon circuit, on attends, l'aime bien. Il me faut un combo qui a du flow. Oui, oui. Ven. 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 Oui. Zi. Mais, JD, JD, c'est lequel ton neveu de Donald préféré, JD? Oui, oui. D'accord, ok. Waouh! C'est juste Zera qui gueule. Ok, ok. OMG. J'espère que vous êtes prêts à voir le choc émotionnel lorsque vous allez voir mon gamos. Je roll dans mon gros gamos. Regardez. Gros gamos. Choc émotionnel. Je suis dans mon GLA. En vrai, moi, j'ai une petite bagnole. Personne rigole plus que ça, la blague du neveu de Donald, parce que j'arrive pas à passer à autre chose, là. De quoi? J'ai pas compris la vanne, excusez-moi. Je suis dans mon bolide. Ok. J'avoue, le choc émotionnel est là. Hein. Regarde le GLA, mec. Mec, on est trop... Je suis trop bien dans cette bagnole, notre joke. Chaud, là. Très, regarde. Très chaud, là. Mec, j'aime trop. Les meilleurs objets. Mais le combo est au petit, hein. Ah, moi aussi, hein. J'ai un combo ultra petit. Tu sais que le combo est jouable en compète hein. Je vois juste les vous deux devant, je me dis attends, lequel des deux est censé être jouable en compète? Y'en a aucun mec, y'a rien là, y'a rien. Y'a vraiment rien dans notre oh là là, combo quata, vraiment. Catastrophe. Ah tu vas chez Nose, t'achètes les premières pièces et tu vois notre combo quoi. Moi je suis en. Là je suis en bébé Mario. C'est trop. Oh Nose c'était exceptionnel. C'est quoi, il y avait trop de trucs. Nose. C'était des magasins où tu pouvais acheter, c'était un peu du bric-à-brac, tu pouvais tout acheter. Ah ça existe encore ou je savais pas? Bien sûr. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Non parce que t'es riche. Ah ouais. D'accord. Wow. What wow. C'est quoi wow. Nose? C'est Donc personne en fait, me répond. Le Nose c'est une c'est des boutiques de déstockage en fait. Mais donc, j'ai jamais entendu parler de Nose de ma vie. Et c'est souvent en zone d'activité commerciale qui sont situées. Et puis en fait t'as que des trucs de déstockage donc vraiment super pas cher quoi, et ça vaut trop le coup. T'avais des jeux vidéo aussi chez Nose. Vive le Nose. Quoi, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Il y en avait partout en France? J'ai entendu pas du tout. Moi il y en avait dans la Sarthe, dans un bled paumé donc
Apparemment, j'en discute avec Star dans le sud, apparemment. Ah ouais, parce que vraiment, je te jure, je n'ai jamais entendu parler de ma vie de ce nom. J'ai jamais entendu parler de Noz. Hein, ah, vraiment, genre. C'est pas ça l'enseigne, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très. Très au nord, je pense. Bah, moi, c'était dans l'ouest. Il y a un truc qui s'appelait Monsieur Diffran, ou je sais pas quoi. Oui, moi aussi. J'ai eu ça. Il y avait Frog 2000. Frog 2000. Monsieur est devenu Monsieur 1-2-3 euros, je crois, ou un truc comme ça. Oui, mais ça oui, bien sûr. C'était la même enseigne qui s'est rename, en fait, je crois, après le passage à l'euro. Notamment, oui, voilà, il n'y avait plus les francs. Notamment. Parce que sinon, ça ne serait plus sens. Du coup, c'est un peu le combat de cow-boy qu'on est en train de mener, là. C'est exceptionnel, mec. C'est vraiment un combat de cow-boy. Vous savez combien ils coûtaient, les articles, en général, chez Monsieur Diffran ? Diffran. Bon, il y en a qui disent qu'il y en a dans le sud, hein, donc je sais pas. La culture G est incroyable. Un truc pour protéger. Bah, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Bah ouais. Jamais. Que j'ai gagné, ouais. Entendu. T'es prêt ? Non, mais jamais de la vie. Jamais. Non. Jamais. Ouais. Des Noz. Ultia dégage. Magasin. Il y a un Noz à Morlaix. Ah ouais, je savais pas. Il y a un Noz à Concarneau et à Quimperlé. Ah ouais, bah je suis ok. D'ailleurs, c'est le Noz le plus proche des États-Unis, hein, je crois. Ah ouais, Noz. Ouais, il y a des. En fait, c'est vrai qu'il y a moins de Noz dans le sud que dans le nord, ça c'est sûr. Mais il y a bien un Noz à Avignon. Il y a aussi un Noz à Orange. Ah, mais est-ce que c'était ouvert à l'époque ? Je suis vraiment pas sûr. Hein. Oh la dingue. Je viens de regarder le Noz. Je suis en train de checker aussi. Mais c'est un Noz partiellement détruit par le feu. Mais non. Parce que tu vois, en plus, moi c'est Auchan Mistral 7, j'y suis allé des milliards de fois, c'est là où on faisait des courses et tout, je n'ai jamais vu ce Noz de ma vie. Oh, le Dracofeu en s'élance flamme. Moi je ne connais pas. On me demande dans mon chat si c'est vraiment ça le sujet de conversation actuel, oui. Mais Noz, tu sais que c'est l'enfance. Mais on peut pas toujours parler. C'est l'enfance, frère. Alors, c'est vrai que dans le sud-est, il y en a très très peu. On parle de cul ou. Pas du tout, nous, on marche avec vous. Vous trouvez de prise unique. Mais oui, mais changez vos cartes, s'il vous plaît. C'est quoi prise unique ? Ultia et Ponce, quoi. Ah, pardon. Oh non ! Putain, voilà ! Putain, mais Ultia ! Oh non, Ultia ! Pourquoi tu revends la même map ? Fuck Ultia ! En vrai, ça fait deux fois Ultia, la prochaine fois c'est ban en fait, de la soirée. Non, mais ça fait pas deux fois que ça arrive. C'est la quatrième fois. Non, ça fait pas deux fois, non. C'est quand même la deuxième fois, oui. Pour vous dire. C'est vrai qu'il y a le Fest Noz en Bretagne, donc c'est vrai que Noz. Oui. Il y a Dr. Nozman sur YouTube aussi. Exactement. Il y a le Noz Nut November. Oh, bizarre. Le quoi? Le No Nuts November. Le No Nuts November. J'espère que t'es pas le seul parmi nous à pas faire le No Peace November, hein, by the way. C'est reparti pour le train de la mine. No Peace November. Let's go. J'avoue, on fait exactement le même map, ça. Let's go. Ah, y'a Noz dans le chat, ok. Y'a des Noz partout. Ouais. Oh Rivenzy, lance ta rouge. Ah, voilà, le Noz à Avignon a ouvert en 2019. Bon, bah voilà. Raison. Ouais. Voilà. Attends, mais on aurait pu tuer Antoine. Merci pour cette précision. Ah, putain, tu me mets mal. Oh non. C'est pas cool, bro, en vrai. Désolé, mec, je voulais focus Antoine. Oh, you know. Bra. Mais putain, ponce. Bra. C'est être ensemble, gros. Ensemble. Mais ouais, mais non, mais. Oh, mais ouais, mais non. Boulasse. Ok. Putain, j'ai pas mon objet à cause de cette fumure. Cool focus. Ah mais Ultia joue Harmonie, c'est le meilleur perso. Oh non, Not now. J'avais une étoile, c'est vraiment la run de l'enfer. Là. J'avais une étoile, j'ai pas eu le temps de la claquer, ça me dégoûte. Pareil. Je pense qu'on se dise que c'est la faute d'Ultia. C'est la faute d'Ultia. Ouais. La faute d'Ultia, je suis bien d'accord. On se dise que c'est la faute d'Ultia. C'était mon seul soutien féminin ici et il est en train de m'abandonner. Ça fait longtemps que... T'aurais jamais dû faire ça, Antoine, jamais. Ah putain, mais rien tu fais chier, Ponce. Ah non. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Mais laissez-moi vivre, les diable. Filles les plus belles. Que diable, hein. Que diable. Vraiment, ah, que diable. Désolé, non, diable. Mais je suis dixième, il faut que je... Voilà. Ultia, s'il te plaît, mets pas tes bananes. Not now. Attention. Mais c'est pas possible de prendre des verres comme ça. Prenez ça, c'est incroyable. Ultia, crois pas dans tes rêves. Please. Oh non. Non, Ultia, pas comme ça. Non, je suis trop deg. Pas comme ça, frère. Trop deg. Oh, ah, please! Une chauve-souris dans la tronche! Chauve-souris! Pourquoi j'ai des pièces en 3ème? Mais putain, mais c'est possible! Attention, Antoine! Mais sache qu'Antoine a reçu il y a une semaine la chauve-souris! Oh la bleue! J'aimerais trop qu'il vienne refaire le sketch à la chauve-souris dans un pensée à Switch avec Bigard en vrai! non, pas moi! La bleue! Fais chier! Désolé! Et hop là! Oh, il avait un claque sur la chatte! Let's gang! Ah, bien joué!
Bien joué, Pont. Bien joué. Non, il fait tout le tour, c'est de la vie qu'on boit. Voilà, c'est niqué. Vous voyez qu'il existe 321 noses en France. Ok, la stat est super intéressante. La stat date que de 2020, parce qu'il me semble qu'avec le confinement, il y en a deux confirmés. Mais bon. Quel boss. Très très fort. Très très, 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 très fort. Très fort. Ok. Après, bon, c'est le genre de boutique, c'est le genre de magasin où parfois juste tu rentres et puis t'achètes des trucs alors que t'aurais dû rien acheter. Enfin, oui. Pas que pour faire des économies, parfois ça te fait juste dépenser des sous. Oui, c'est vrai. Non, c'est souvent des magasins qui sont ouverts le dimanche, du coup, c'est les seuls magasins ouverts le dimanche, donc du coup, tu peux y aller. Ah, c'est ouvert le dimanche? Okay. Je sais pas. Non, mais t'as des magasins comme ça qui sont faire le dimanche, comme une autre chaîne où t'as pareil que du bric-à-brac, et genre de choses, je sais plus comment ça s'appelle. Aïe, 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 j'ai un Action trou. Oui, le nose de Issoudun. Ouais, Action, par exemple. Ouais. Action. Ah oui, Action. Ah oui, Action. Non, mais Action, par contre, c'est trop bien. Action, trop bien. Franchement, vive Action. Y'avait pas Babou aussi? Vive les grosses actions. Y'avait pas Babou? Ça vous dit rien du tout, Babou? Comme des ballons. Qu'est-ce qui te dit rien? Babou. Mais si, Babou, Babou, c'est ça, Babou. Babou, mais ça existe pas, Babou, Babou, ça avait pas fermé. Babou, Babou, bien sûr. Bah, je sais pas. C'est Babou, je connais. Babou, Babou. Babou, c'était une dinguerie, hein. Moi, je connais que Gucci et Hermès, effectivement. Oui. Ah là là là. Parce que vrai, Babou, complètement. T'avais Jiffy aussi. Ah oui, bien sûr. Jiffy, des idées de génie. Jiffy, des idées de génie. C'est les sponsors de la soirée, JD. Oui, c'est tous les sponsors. On t'a pas dit. J'adore. Oh, je les adore. Il va falloir que tu retweets le tweet de Jiffy aussi, si possible, mec. Franchement, le nombre de produits que t'as fait sur McDo, sur ma chaîne, c'est vrai. Il est sponsor à vie. Hein. Ouais. Sponsor à vie par McDo. Non, il a perdu son partenariat il y a pas longtemps. Ah oui, là j'ai eu des problèmes. Mais attends, je suis en train de négocier pour le revoir. Bah oui, mais un mec, t'as commandé Burger King une fois. Aïe aïe aïe. What the fuck, JD? J'ai craqué. J'ai juste craqué en fait. Juste qui craque. Péter un plomb quoi. Péter un plomb le man. Péter un boulard. C'est, voilà, j'en ai eu marre. Le man est péter un boulard le man. Il a snap. Il a snapped. Quel ouais, et puis c'est vrai que je dois aller faire un dîner aux chandelles avec Quick, du coup mon partenariat avec McDo ça va être très compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, il y a ce Quick. Attends, quoi ouais. C'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs. Quoi? Attends, c'est bientôt l'anniversaire. Je dois faire un dîner aux chandelles au Quick et avec DFG, avec le Quick servi par un chef. Mais du coup, ça va être. De DFG aux events. Ça me fume, sérieux. Donc, comment ça va être mis en. Enfin, comment ça va. Ah, en bah pratique, ça, c'est le problème de DFG, ça. Ça, c'est le problème de DFG. Moi, DFG, voilà, il organise hein, après. Déjà, je lui ai expliqué au moins 4 fois que je vois pas le concept du grand chef, alors que le Quick, c'est un Quick, donc le grand chef va pas le cuisiner. Donc, oui. Le grand chef, il va juste venir pour servir le truc, ce qui a aucun sens. Ah, le grand chef, un serveur à la limite, bah, je vais bien comprendre, mais un grand chef meilleur ouvrier de France, ça va le monsieur bien simple de venir. Oui, mais du coup, c'est pas le grand chef qui cuisine le Quick, ça reste le Quick, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça va vraiment. Donc, il s'est servi. Bah donc voilà, non, je. Mais ça, c'est le. Après, c'est le problème de DFG. Moi, là, ça me concerne. Le concept est à chier. Le concept est à chier. Genre, c'est pas. C'est son concept de tweeter des trucs éclatés sur les animes, ça, c'était beaucoup. Ah, ça, c'est. Mais ça, c'est exceptionnel. Et apparemment, il a eu vraiment des trucs de harcèlement un peu. Oui, il a eu des menaces de mort. Mais non, sérieux? Mais oui. Ah, tu sais, les pépés manga, on n'est jamais trop sûr. Hein. Mais parce que pour ceux qui savent pas, en fait, DFG avait un donation goal sur The Event qui était chaque semaine, il doit faire un avis vraiment très controversé sur les animés et il doit faire exprès de faire des trucs qui font réagir. Il y a des gens et qui étaient coup, vraiment il a, mode. Il a commencé par tweeter quoi là? Death Note en disant c'était. Ah oui, ah oui, il a dit que c'était pour les boutonneux, etc. Il avait 13 ans. Attends, le dernier qu'il a fait, il est exceptionnel. DFG sur Dragon Ball Z, il est incroyable. Le dernier, attends, je vous le dis. Bon, il est temps qu'on se le dise. Dragon Ball, c'est vraiment claqué. Le truc d'âne des années 30 ne plaît qu'aux gars qui veulent se donner une crédibilité à l'ancienne avec leurs grosses calvicies et les chaussures trouées. C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. 1300 retweets. Juste réel, hein. Et après, il a tweeté aussi. Combien de cités? Il a attends, 418 cités, 418. Il a tweeté le hier. Je me réveille tranquillement sur une petite session lecture de menaces de mort que j'ai reçue depuis hier. Si on retrouve mon cadavre, dites aux enquêteurs que je me suis fait planter au nom de Toriyama, une chasse à l'homme organisée par des pépés Vegeta dans mes mentions. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Ah oui, ça pose problème. Hein. Et il dénonce des choses. Pourtant, ils sont retournés à l'école. Là. Il a dit les termes. Et puis il l'école. Ouais, mais c'est. Comment elle a dit ça? Quelle vie! Marrant. Ils sont encore virulents.
Des centrailloux. Acheter un t-shirt dans la boutique. T'en as jamais envoyé d'ailleurs, Rayou. Et bah tu sais qu'ils sont devant moi. Je les ai moi pas j'ai envoyé. Toute la collecte. En vrai, c'est. Je suis pas dans la consmash, j'ai pas les t-shirts. Tu fais du quoi, Antoine? Parce que tu vas. Je fais du S. Okay. Ah bah, tu vas... C'est marrant hein. Bah t'es grand, tu peux pas faire du S, menteur. Non, tu t'es grand. Je fais du XS, mec. Tu vas à O ce week-end? Si tu vas à O, hein, je te ramène un t-shirt. Tu vas au truc pas, j'hésite en vrai. On m'a invité, mais je sais pas encore. Parce que si c'est pour voir la sale gueule d'Alpha Cast, c'est peut-être pas la peine, quoi. Wow. Je plaisante, bien sûr. Évidemment. J'aime beaucoup Alpha Cast, j'adore Overwatch. Pas touché au jeu depuis 2017. C'est faux, il y a joué The Event avec nous. C'est vrai, exactement. C'est vrai. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, c'est notre all PP manga. Je vous vois dans le chat dire que vous avez. Oh, mais oui, évidemment. Ouais. Bien sûr. Oh, les PP manga. C'est pas que des PP manga, il y a aussi des PP foot. Oui, mais. Et notre all PP foot. Les PP foot dans mon chat. Non, mais bien sûr. Sur mon chat qui arbore une PP foot et c'est un être humain exceptionnel. Oui, oui. PP foot. Notre all PP foot. Pitié. Mais vous faites partie d'une communauté quand même particulière. Voilà, quand même. Prenez-en confiance. Conscience, pardon. Confiance. Après, soyez bien confiant avec ça, quoi. Je ne suis pas confiant avec ça non plus, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai un très très bon pote Pépé Manga, hein. Ça me dérange pas tant que ça. Hein. C'est vrai. J'ai un très bon ami, il a une Pépé Manga et ça me dérange pas et on s'entend très bien. Quand même très bon, on n'a jamais eu de problème avec lui. Hein. Non, j'ai rien contre les Pépé Manga. En fait, il est intégré, quoi, ça qui est cool. Il est intégré. Je suis allé à une convention il y a quelques années où il y en avait plein et bah sachez qu'ils sont très sympas ces gens-là en vrai. Ils donnent tout en fait. C'est des gens qui ont pas grand chose mais ils donnent tout, ouais, c'est clair. Ah oui, ils ont vraiment rien, mais ils donnent tellement plus que nous. Ah oui, mec. C'est une autre culture. C'est horrible, vraiment. On est vraiment des merdes. Hein. C'est immonde. Arrêtez. Je vais vous laisser lire ça. Okay. Je pense. Oh, je suis trop fort. Qui m'a fait cette verte? Ah bah mec. Bah c'est le karma, mec. C'est le karma, mec. Putain. C'est le karma. Ouais, mec, c'est le karma, mec. C'est qui est devant? C'est qui devant? Quoi? Mais pourquoi ils sont grands eux? C'est qui moi? Étoile. C'est quoi ce délire? Non, étoile. On se regarde ce que quoi tu nous as fait faire. Quoi. Rivenzi. Non mais c'est pas ma faute. Et oui, Rivenzi. Et oui, Rivenzi. Et lui-même. Rivenzi. Rivenzi. Tout va bien. Pardon. Rivenzi. Ça me fait rire à chaque fois que j'entends Rivenzi. Rivenzi, c'est moi-même, ouais. Tout à fait. C'est moi-même, Rivenzi. Oh, j'ai et les gens qui ont pépé le mec de Peaky Blinders là aussi là. Oh là, je déteste. Ah ouais, moi aussi je l'aime bien. J'aime bien. On en parle. Ah mais j'en vois tellement des pépés Antoine Daniel Catboy. Moi aussi ouais. Oui. Je suis désolé. Continuez bien sûr. Ne lâchez jamais rien bien sûr. Ne lâchez rien. On est ensemble comme dirait Rayou. Ensemble. Putain. Moi, ce qui me régale, c'est que demain, je vais en tournoi Smash. Ouais. Je vais m'échauffer avec vous pendant 6 heures et ça me fait plaisir. Waouh. Pendant 6 heures, mec ? Pendant 6 heures, mec. 6 heures, ouais. Ouais. Je sais pas si je vais rester toute la soirée non plus. Qu'est-ce qu'il y a, Olo ? Tu tiens de cette info d'où, les 6 heures avec toi ? Bah, du fait que vous êtes dans mon cœur et dans mon âme et qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je ne vois pas du noir, mais que vos sourires. Ok. 1-0, okay, balle au centre. On ne fera pas 6 heures avec toi, mec. Je continue à fermer les yeux, mec. N'ouvre jamais, mec. N'ouvre jamais, s'il te plaît. Voilà, c'est ce que je vous disais, quoi. Ah, ça se tient. Ça c'est validé, c'est validé. Ça se tient, mais... On voit poème au 8-12-12. C'est trop ça. Oh ouais. Quel gros disquetteur, quand même, sur les toiles. Non, tu peux pas dire ça, mec. Si, t'es un énorme disquetteur, toi. Ok, oui. Non, mais en vrai, mec, t'es le. Je suis un énorme célibataire quand même. Non. Célibatant. Célibatant. C'est quand même que t'aies pas trouvé quelqu'un, tu vois, qui puisse accepter toutes tes disquettes au quotidien. Et bah, écoute, on préfère faire des matinales, quoi. Ah, non. Quel énorme escroc. Merde. On t'aime aussi pour ça. On t'aime aussi pour ça, même peut-être surtout, je sais pas. Louder. Ça a mangé quoi, Ultia, aujourd'hui? De quoi? Ultia, ça a mangé quoi aujourd'hui? On n'a pas posé la quête. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que j'ai
J'ai mangé des restes aujourd'hui. Ok. Après, ça peut être très bien en vrai. Purée, pommes de terre, carottes panées avec des restes de poulet rôti. Ah bah oui, bah, ça, okay, oui, d'accord, ça va. C'est, oui. C'est du bon reste quoi. En vrai, c'est quali. Non, on est bien. Voilà, et c'est moi qui l'ai faite la purée. Alors, privé ah, mais maison, oh oui, d'accord. Il y a 10 mois, franchement. Où est-ce que tu aurais maison hein, dans la il y a quelqu'un d'organisé de tout ça. Attends, ça a coupé ton micro, dis-moi. La question en gros, c'est comment t'arrives à être aussi productive sur Twitch et à nous donner tant d'amour et en même temps d'arriver à te préparer des petits plats et à prendre du temps pour toi, oui, tu vois. C'est ça la question finalement. Il vient de mansplainer Non mais il a très bien résumé mon idée. Oh là là, on peut plus rien dire, putain. Ça va aussi. Toujours là pour nous casser les couilles. Oui, mais en fait j'aime tellement faire à manger que j'essaie quand même d'allouer du temps pour faire des petits plats quoi. C'est important de bien manger. En plus, j'essaie de faire un plat attention. Oui, à qui le dis-tu? Oh, l'ironie de la voix. Oh. Très important de bien manger. On est tous des petits chefs ici. Trop fort sur cette course, pense. Tu me dégoûtes. Bah non, t'es pas fier pour moi, bro. T'es trop fort, mec. Merci. Bon. T'es trop fort. T'as été trop fort. En plus, à chaque fois, j'étais en mode est-ce que je peux gratter des secondes? Et t'as été en mode Gandalf, vous ne passerez pas, sale chien. La petite insulte, quand même. Putain, le mille Mitrandir. Aïe. Putain, Mario, il est trop chaud, hein, troisième. Oh. Monstre Mario. Mario. Oui voilà c'est ça, après il y a plein de pasta box différentes, ça peut créer un équilibre effectivement. Ouais. Oui. Pasta box c'est décevant quand même. Tu trouves pas Florence que les pâtes des pasta box elles sont trop cuites, ça te gêne pas? Ah non mais c'est dégueulasse, mais c'est pratique quoi. Ouais. Moi je sens les choux triangles, je me régale à chaque fois. Est-ce que t'as déjà pensé à faire, tu sais, genre des quiches? Tu sais, les quiches, tu peux les garder 2-3 jours. Une fois qu'elles sont cuites et il y a plusieurs parts. Donc, c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est la motivation. Moi, je n'ai pas ça. Mais ouais, mais une quiche, tu vois, ça fait, c'est vraiment 10 minutes de préparation. Genre une petite quiche. Une petite quiche. Une wish. Une wish Lorraine. C'est vraiment 10 minutes. C'est 3 œufs, 25 centilitres de crème, un peu de jambon, du chèvre et au four. Et enfin, c'est fait quoi. Genre là, c'est. Et t'achètes la pâte déjà toute faite, tu vois, tu te fais pas chier. Ah oui, non, attends, on manquerait plus quoi. La pâte aussi, toi. Tu fais pas la pâte toi-même? Ok, chaud. Chaud de ouf. Bizarre. Ouais, parce qu'en fait, en gros, si tu fais pas pour faire la pâte toi-même, c'est même pas la peine de faire une quiche maison quoi. C'est pas une quiche maison quoi. Enfin bref, après. Non, mais non, la pâte, on en a rien à foutre. J'ai essayé plein de fois de lui dire de faire des trucs comme ça. Ouais, je m'y suis jamais mis quoi. Mais en tout cas, la boulangerie adore, hein, le chiffre d'affaires qui fait que monter. T'inquiète que moi, les quiches de la boulangerie me régalent quoi. Elles sont en maison, hein, tu les manges à la maison, hein, donc c'est bon. Tu n'as pas compris la définition. C'est comme ça que ça marche, ouais. C'est clairement, je les mange à la maison. J'ai pris la spige. Je suis sauté, j'ai sauté dans la gueule du loup. 8ème, je me régale de fou là. Bah, non, en fait, le truc, c'est quand t'as pas l'habitude de cuisiner, c'est dur de prendre l'habitude de. Tout est long. En fait. Ouais. Je suis d'accord. Tout, même les trucs basiques, quand t'as pas l'habitude, tu mets plus de temps parce que du coup, c'est pas automatique, tu vois. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Ah, enfin, je sais que tu veux cuisiner ça, là, mais... pas fait forgeron, mais. Mais je me dis, putain, mais les gens qui arrivent à se faire à bouffer eux-mêmes, faire du sport, en même temps ils travaillent, puis en même temps ils font des enfants en plus, parce que c'est trop facile là jusque-là, tu vois. Alors que ma ratatouille. L'enfer de riff qui fait. Souvent, on a toujours pas la preuve, hein, de cette ratatouille. Bah, je dois la faire pour à cause d'un Donation Goals Event. Ah. Cause ou grâce? Ah, c'est grâce, mais parce que bon. Ah, est-ce tu m'as poussé! Putain, toi aussi! Oh, j'ai réussi à revenir! Est-ce que le monde est prêt? Je sais pas si le monde est prêt en vrai. Le monde est prêt, c'est de ratatouille de Rayen. Il va falloir vraiment être prêt, tu vois. Il faut que les gens. J'ai insisté sur le prénom. Tellement il était prêt. Je le déteste. Je le déteste, il m'angoisse. Il me donne des bouffées. Il a bien dit Rayen, hein. J'ai dit Rayen. Rayen, j'ai dit, ouais. Non, mais après, mec, moi j'ai trop de manger, de tester cette petite ratatouille, mais quoi. Putain, mais c'est quoi ça? Parce que je vous en ferai un échantillon. Tu vas faire la ratatouille maison en plus et tu fais cuire tous les trucs. Tu vas voir. Tu vas voir, oui, tu comprends. Non mais. Je ne doute pas qu'elle sera bonne, mais tu mets du temps à la faire, ta non thune, Florent, je veux pas. Ah, mais on va payer, gros. Ça met pas beaucoup de temps. On va payer. Bah attends, on est entre potes, tu nous fais à manger, non, non, mais, oui, non mais, après, là, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir manger la ratatouille d'étoile avant l'année prochaine, hein, c'est plus la saison des légumes de ratatouille. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai putain, mais sérieux, quoi. Ma vie. Mais quoi? Mais putain. Mais comment? Mais comment je fais 6ème dans cette course? J'ai été pixel. J'ai été pixel, quel dommage. J'ai été pixel. Et ce n'est pas suffisant parce qu'on a tous été monstrueux, bien plus monstrueux. Je suis première. Ouais, on a tous été monstrueux, ouais.
Bien joué. Ouais, après, Angle Droit, franchement, Roibou sur cette course, il est trop chaud. Ouais, Roibou, après, chaud. En fait, Roibou, il est chaud. Il est monstrueux, Roibou, hein, ça déconne. Monstrueux, Roibou. Là, pour le coup, il avait vraiment un setup où c'était craqué pour lui. Ouais, n'importe quoi. Quoi, putain. Non, il faut. Il faut inviter Florence pour un live cuisine. Bah, je sais pas, ça te plairait, hein, Florence? Un live cuisine? Ouais. Genre où on réchaufferait des pasta box. Ah non, bon live là. Bon live, on réchauffe des pasta box. Premier degré? Bah non. Mais je n'ai pas de micro-ondes en plus. C'est quoi, plus micro-ondes? Comment tu fais? Bah, le fait à manger. Non, mais, bon, non, mais même quand je me faisais à manger, il y a quand même des moments où t'as des restes et tu les fais réchauffer au micro-ondes. Dans la poêle. Réchauffer à feu doux à la casserole avec un couvercle. Ah oui, t'as ça, mais c'est moins rapide. Quoi. Florent, c'est mieux. Ton plat signature, lequel tu serais. Genre, si t'invites des amis, un crush, c'est quoi ton plat signature en mode je joue carte sur table ce soir? Pasta box pesto. Un crumble aux pommes qui est pas trop mauvais. Ah, quand même. Oh oui, ok. Quand même. Il nous faudra un plat de résistance quand même, parce qu'on va pas que manger un dessert pour le coup. Sinon, un crumble au Clandos, quoi. Quand même, le crumble. Le crumble marwal. En vrai. Non. Le crumble salé, ça peut forcément exister. Bah oui, c'est très bon le crumble salé, ça existe. Saumon courgette, moi je fais des quoi crumbles. Mais fais. Mais toi, on attend ta ratatouille, gros. Mais Ultia la game. Ultia quitte la game. Ultia, je prends un Uber, go faire là, qu'est-ce que tu fais là? Allez, pourquoi tu roules? Et tu pourras prendre mon camping, mec, en même temps. Non, toi, t'es un forceur de merde, parce que tu ne veux pas le camping, et tu me fais juste passer pour un voleur, alors que je t'envoie un message en te disant que je prends un Uber tout de suite. Je te débranche, et toi, j'en ai rien à faire. Je te débranche, t'existes plus. Tu disparais de mon écran, d'accord? Rivetti, tu es un diffamateur. Tu es un diffamateur parce que j'avais dit que je pouvais y aller direct, et tu me fais passer pour quelqu'un qui vole les affaires alors que j'ai pas fait exprès, et que je t'ai remercié des milliards de fois parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Okay. Okay. Je peux te dire encore et ça ira très bien. Merci beaucoup. Merci. Mais d'ailleurs, la manette que t'avais volée à Kamel, tu lui as rendu. Je l'ai jamais volée, c'est encore une diffamation. On s'est échangé de manette avec Kamel. Bien sûr. En fait, Kamel a pris ma manette et j'ai pris sa manette. Enfin, c'était les manettes pro, quoi. C'était la même chose. La seule chose qui changeait, c'était que Kamel avait un autocollant Kameto sur sa manette. Mais ouais. Un autocollant. Comment t'as trompé du coup, de balle? Bah, je l'ai pas vu, hein. T'as pas vu, hein. J'ai pas vu, bro. Il y avait de l'encre partout sur mon écran. J'ai pas vu, mais ouais. Désolé. Désolé. Ouais. Toute la commune. Quelle indignité, toute sa haine sur Rayou. Ouais, mais regardez. Il est positif. Il garde le smile. Et oui, mais je suis heureux d'être avec vous. Putain. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de voir Antoine se prendre cette bombe. J'avoue. C'est dur. Mais... Elle est dure cette map, hein. Oui. Y'a pas de temps simple, hein. Pas de temps simple, hein. Y'a plus de saison de toute façon. Y'a aucune saison. Putain, mais. Putain, c'est qui a mis cette bombe ici? Mais putain, je sais pas. Oh, Masterclass. Kenavo, c'est en breton. Exactement, c'est en langue bretonne. J'ai la langue bretonne qu'on adore bien sûr et à qui on rend. Tu peux nous parler un peu breton là, Rive, pour le plaisir des oreilles? Kenavo, tu peux nous chanter une chanson en breton s'il te plaît? Allez, Rive. Non, j'ai pas le temps. Allez, oh, une petite musique. Allez, des chansons en breton. Allez, chante-nous une chanson, le breton. Allez, fais pas de soucis. Allez, lâche-nous le son. Je me sens pressé. Quoi? Dans la vallée. Oh, on mélange tout, allez. Allez, lâche-nous une chanson, le off, pas le timide. Dans le pré. Allez, pas le timide. Ajoutant de Michao et son petit poulain. Passer dans le pré, manger de poulain. Ah, t'es chaud en autotune, mec. Pas l'autotune, c'est de la réverb, mec. Désolé, mais... J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ok, Nolwenn. Une chanson en breton. Bah oui, mais je sais pas parler breton, c'est le problème, en fait. Primartolode. T'en connais pas de chansons en breton? Non, on m'a jamais appris de chansons en breton. Et t'es fier de tes origines? Non, mais bah oui, mais après. Oula. Sur tes bretons? C'est bien plus personnel là par contre. Hein, j'avoue que. Ouais, c'est clair. Mais c'est un peu intimiste, hein, j'en parle pas beaucoup du fait que je suis en breton. Cette banane, Rayou. Ah,
d'accord. Bah, tu vois, je parle pas parce que je suis breton, je garde ça un peu pour moi, tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est ton petit truc à toi, quoi. Bah, c'est un petit truc à moi, quoi. Je peux avoir envie d'exposer à tous. On parlera jamais en plus. Bah, non, je sais pas vraiment. Bah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut surtout pas cette banane, Rayou. Je vais que je vous chante une petite chanson bretonne là maintenant. Oui! Nous casse pas les couilles, là, dit. Mais si. Mec, en fait, on a. Si je me sens pas dans une safe place, en fait, je vais pas avoir la voix qui va venir en mais fait. Mec, t'es on est entre nous. C'est ça. C'est full safe. C'est con, je crois. Je suis vraiment trop con, mec. Mais non, bro. Non, mais vraiment, c'est grave ce que j'ai fait. C'est une gestion d'item, une boîte de Tarama. Viens donc faire un tour à l'ambé, je la ref. Oh, si tu veux un peu de gaieté. Viens donc faire un tour à l'ambé. Du coup, est-ce que vous savez ce que c'est l'ambé ou pas? Oui, c'est l'ambé à Andro qui est. Petit coué. Qui est un quartier de Brest. Et l'Ambé Zélec, ouais. L'Ambé Zélec, pardon. Ouais, c'est l'Ambé Zélec, ouais. En fait, c'est un quartier de Brest, l'Ambé. Et il s'appelle l'Ambé. Et moi, ma grand-mère habite à l'Ambé Zélec, par exemple. Mais non. Ouais. Ah, mais non. Mais c'est t'es de la famille de Matmata? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, je dis, il parle de ta grand-mère dans la chanson, du coup. Exactement. Bah oui. Il vient faire un tour à l'Ambé chez la grand-mère de Rivenzi. T'entends bien toutes les paroles. Et pourquoi vient faire tour à l'Ambé? Il se passe quoi à l'Ambé? Hein, bah, il y aurait rien de spécial à l'Ambé, c'est la grand-mère de Rivenzi, quoi, globalement. Ah, c'est comme si c'était une chanson, bien donc faire un tour dans le 13ème. Genre. Bah, alors, genre. Un peu détente, c'est sympa, c'est joli. Ah, d'accord, ouais, okay. C'est l'Ambé, quoi. J'ai acheté un peu de côté, bien donc faire un tour à Barbès. Ah, non, mais gros, c'est genre, c'est-à-dire, c'est random, genre. Ah, mais donc Florence! C'est donc oui, ça! Oui, bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Ah, c'est donc ça, Florence! Oui! Donc Florence, on se plaint de la malveillance et on est une merde. Oui bah écoute, on récolte la monnaie de sa pièce, j'ai envie de te dire. Ah oui bah toi tu vas récolter la monnaie de cette rouge, Florence. Non, Rayou. Oula, oula. Rayou, tu fais pas ça quand même. Non, mais comment je termine deuxième? J'étais huitième, il y a... Quoi? Peur. Putain, je suis une merde. Non, dis pas ça, Rivenzi. Qui a pris une rouge malencontreuse? C'est moi, Ultia, t'es contente? Ça te fait marrer dans ta vie de mettre de l'ombre dans la mienne? T'es rigolote? Ça va te faire plaisir quand au lieu de dormir sur mon lit, je vais me mettre dessous et m'enfoncer tous les pieds de mon lit dans le cul? Oh non, bro. Attends, ah, ah. Oh non, putain. Le DMCA, là. Oh, le DMCA. Le pas DMCA. Rive! Balcon rive! T'as du DMC, t'inquiète, y'a pas de DMC! Mais je chante, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Je suis en train de chanter, je me concentre! Mais non, mais y'a pas de DMC là-dessus! Mais non! Tu sais, avec les États-Unis, faut toujours faire gaffe, et comme ils sont juste à côté. Oh! Ma bro, béga, ma bro. Vous en voulez une autre? Non. Okay. Merci mec de nous avoir chanté. Merci beaucoup, ouais, vraiment, ça donne envie. J'aimerais partager un peu tes racines avec nous. C'est Brogoz Mazadou, c'est l'hymne de la Bretagne. Ah, vivement qu'on retourne un peu en Bretagne te voir parce que ça donne envie. Merci beaucoup. C'était trop bien quand j'étais en Bretagne. C'était énorme. De ouf. C'était trop bien. Je crois qu'Antoine doit venir avec moi à Brest pour que je lui montre toutes les beautés. Tu organises ça, mon cher Rivenzi. Ah, c'est moi qui organise, bien sûr. T'inquiète. Bah, c'est un donation goal à toi. Ah, c'est pas un donation. Non, en fait, je sais pas de quoi on parle. C'est même pas un donation goal. C'est un plaisir partagé. Ok. Si c'est comme les autres Beauval, on peut lui dire adieu à Brest. Non bah merde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a les autres Beauval? Ah, mais c'est vrai, les autres Beauval, on a abandonné, ouais. C'est JDG qui organisait ça. Oui, c'était JDG, oui. Ah oui. Et vous deviez pas aller à Nigloland aussi? Nigloland, c'est Antoine qui organisait ça. C'était Ultia qui gérait. On se dédouane de tout, ça me termine. C'est Antoine qui devait organiser ça. Ah, c'est Antoine, non? C'est Antoine, je crois. Comment appelle Antoine, non? Mais Antoine, t'es en train de. Non, mais Rive, t'en as pas marre. Désolé, je suis désolé. Putain, j'ouvre le dictionnaire, je vois malveillant, c'est la grosse tête de Rive là. Oh là là. Impossible que t'aies ouvert le dico en pleine game. Je vois victimisation et je vois la vieille gueule d'étoile, c'est bizarre. Ouais, la gueule, ouais, ma gueule de merde là. Oh non. J'ai trop envie d'aller aux autres au Val. J'espère que tu vas jouer à Smash Rivenzi tout à l'heure. Mais non, il y a 22h30, il va faire bon, les gars, je suis fatigué. Il est sur la One Life quoi. J'ai la ref. La One Life.
Salut mec, j'ai cru comprendre que t'adorais Étoile. Du coup, dans le coffre de ta voiture, je t'ai mis un pancréas, mec. Regarde ça, c'est insane. Ah, c'est hyper drôle, rapport au fait que je suis malade depuis 7 ans. Ah, ça va, on peut en rire. Excuse-moi. Oh, je rigole. C'était marrant, je rigole. On va... J'étais un connard, On va culpabiliser alors que t'es le premier à faire ça, du coup, on sait plus. J'ai fait exprès. C'est bon, en vrai, il s'est gaffé, il a réussi à mettre en mal. Ah oui, j'ai pas le droit d'être une merde. Déjà qu'il est diabétique, on va pas lui enlever ça non plus quoi. J'ai pas le droit d'être une merde, bien sûr que vous avez le droit de rigoler. Mais d'accord, moi j'avais pas compris le... Vous avez les soirées ou pas, vous comprenez? Vous êtes mes amis en fait, donc vous avez le droit. Ah, dès que c'est pas scripté, ça fait des malaises. Ah, de ouf. Moi bien, j'avais... C'est un malaisant, j'avoue. Attendez, je remets de la musique histoire d'enlever le malaise. Y'a plus de malaise. Non, c'est bon. Oh, let's go, tout le monde est gêné, ça m'a mis trop. Ça, tu t'es café. Oh, let's go, ça m'a mis trop. Oh, j'ai eu un. Je me suis dit, non, mais rigole, les gars. Ouais. Elle a dit, depuis 7 ans, je suis en mode, ok, non. Non, par contre, bien évidemment que c'est. Que je suis trop gêné. C'est trop bien de rigoler sur ça et tout. Faut jamais croire que des fois, il y a des malaises. Mais je le dis, je fais un disclaimer. Parce que je trouve ça trop bien. Bah, en vrai, jamais. En fait, c'est jamais arrivé que mes amis me fassent une vanne sur ça et je suis en mode. Ah, c'est toujours la malaise dont je parlais, mais. En vrai, le jour où j'ai né Étoile, je me suis senti moi-même moelle, quoi. J'ai voulu arrêter Twitch à ce moment-là. Voilà, j'ai voulu tout arrêter, quoi. Ferme-la, putain. C'est dur pour moi. Mais ça sert à rien. Ouais, ok. Bah, merci pour cet anonymat, Rivenzy. Merci. Ah, c'était merde. merde. Ah non, zut, j'étais pas mal. En fait, il y a ta merde. Allumé sur Discord. Et oui, il y a la lumière, on voit, et puis en plus, on a tous les overlays, donc. Non. Ah, là on te reconnaît pas du tout, mec. Ok.